Nous sommes en ligne. Ça y est, nous sommes en ligne. Est-ce que le monde nous reçoit ? Oui. Oui, incroyable. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la page Twitch du Liège Game Lab. C'est un grand plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour, on le dit à chaque fois, mais pour un stream tout à fait spécial. Pour une émission spéciale. Bon, voilà. Running gag qui revient à chaque fois sur chaque stream, puisque chaque stream est spécial. Aujourd'hui, du monde, hein, sur la page Twitch du Liège Game Lab, évidemment, comme vous pouvez le constater. Des personnes connues qui sont déjà venues sur la page Twitch que vous connaissez, donc des chercheurs du Liège Game Lab, chercheuses également. Mais d'autres personnes qui ne sont pas encore venues et qui vont se présenter aujourd'hui, qui vont présenter leur réalisation. Donc bonjour, je m'appelle Alexis Messina, je suis membre du Liège Game Lab donc. Je vais présenter aujourd'hui ce stream, je suis animateur, et aujourd'hui ce stream va être dédié à une formation qui a eu lieu durant cette année académique si spéciale, qui a été un certificat inter-université haute-école, travailler avec la culture vidéoludique. On vous en a déjà parlé, pour ceux qui nous regardent plus tard ou qui nous rejoignent maintenant, on vous a déjà parlé de ce certificat lors de nombreux streams sur cette chaîne. Donc on rappellera un petit peu ce que c'est. Et en fait, ici, vous avez tous les participants, ou en tout cas toute une partie des participants de ce certificat. Ouais! Yay! Yay! Les participants sont contents! Ouais! Bonjour à moi! Bonjour, oui, j'en fais trop, oui, d'accord. Ok, donc, bref, bienvenue à tous. Aujourd'hui, alors, on va présenter les résultats de quelque chose qui a été réalisé dans le cadre de ce certificat, qui a été une tâche à un moment donné demandée, hein, dans le cadre des unités d'enseignement qui étaient proposées dans cette formation. Il y avait à un moment donné une sorte de petite épreuve qui était ce qu'on a appelé une Creative Game Jam, durant laquelle les participants ont dû se réunir en groupe. Donc il y a évidemment d'autres participants à ceux qui sont là aujourd'hui. D'ailleurs, s'ils nous regardent, on les embrasse bien fort, on pense très fort à eux et qui n'hésitent pas à réagir sur le chat, comme ça on continue à discuter entre nous s'ils sont présents. Et donc ils ont été invités à former des groupes pour réaliser des dispositifs qui vont utiliser à un moment donné le jeu vidéo. Donc ces dispositifs, on va voir, ils sont pluriels, donc ils prennent plusieurs formes, mais je ne spoil pas, on va de toute façon revenir, on a 2 heures pour présenter les différents résultats qui vont vraiment, vous allez le voir, prendre de nombreuses formes. Donc ce que je vais faire, c'est je vais d'abord faire un petit tour de table, évidemment, pour que tout le monde se présente, à commencer évidemment par l'équipe organisatrice, puisque c'est elle qui a encadré et qui va évidemment présenter en partie le cadre dans lequel les différentes activités se sont inscrites. Et je vais commencer par le papa, finalement, de cette formation. Regardez comme il est ému, regardez comme il est heureux de regarder son bébé et se dire tout ça est bon, voilà. Tout ça est enfin là après autant de gestation. C'est évidemment Pierre-Yves Burel. Bonjour Pierre-Yves, tu vas bien? Toi, tu as... Explique-nous combien de café ou de substances différentes tu as consommé avant ce... C'est vendredi après-midi, je suis content de voir qu'on n'est pas tous complètement morts. Donc Alors, c'est pas exactement... Moi, je suis un peu comme les enfants, c'est-à-dire plus je suis fatigué, plus je suis hyper excité. C'est probablement un peu comme ça. Du coup, voilà, je suis content de te voir. Ça va, tu vas bien? Tu es content d'être présent, j'imagine? Oui, mais je refuse catégoriquement le papa de la formation. C'est, oui, c'est un bébé qui a été... le fruit d'une gestation de beaucoup de personnes. Et donc, bien sûr, c'était pour la blague, évidemment. Mais tu as eu, voilà, à un moment donné, tu as eu un poste de coordination du certif. C'est vrai que tu as quand même beaucoup bossé à la coordination, mais c'est vrai que ce beau projet n'est pas de ton seul fait et que toutes les personnes de l'équipe pédagogique ont participé à sa création, et surtout les participants sans qui ce certif n'aurait pas été possible, puisque sans inscription, pas de certificat. Donc, évidemment, voilà. Ensuite, Fanny Barnabé. Bonjour Fanny, tu vas bien? Bonjour, oui, je vais très bien, je suis très contente d'être là. Alors, petite particularité en plus aujourd'hui, Fanny, c'est toi qui hoste le stream. Donc, c'est ton retour écran que nous verrons. Oui, donc si ça plante, c'est ma faute. Désolée. C'est ça. Ou si vous souhaitez que je montre des choses particulières, ah oui, vous pouvez me faire des demandes. Oui, tout à fait, bien sûr. Et last but not least, hein, Pierre-Yves Oulmont, salut Piou, tu vas bien?
Salut, oui, ça va. Je suis content d'être là et mon rôle aujourd'hui est d'avoir un t-shirt cool, c'est tout. Et pour éviter toute comparaison ou le fait de se gourer entre l'un Pierre-Yves et l'autre, tu t'appelleras Jean-Roger durant ce stream, bien sûr. D'accord, merci. On s'est mis d'accord sur ce pseudo avant de commencer le stream. Non, c'est faux. Donc voilà, je suis ravi évidemment de vous accueillir aujourd'hui. Donc je propose, alors là ça va être la masse évidemment, que les participants se présentent. Salut les gars. N'hésitez pas à brancher votre micro, à dire bonjour à tous vos potes, à maman, etc. Bonjour. Bisous maman. Bonjour. Hello. Bonjour à tous mes potes. Ah là là, bah écoutez, on va passer un bon moment. Donc là, on est parti sur... Vas-y, Pierre-Yves, tu veux les dire ? 4000 représentent. Mais... D'accord, ok. Ouais. Merci Pierre-Yves. Et donc voilà, je suis ravi de passer ces 2 heures avec vous à faire l'animation de ce stream. Donc ce qu'on va faire, c'est on va commencer par faire un petit rappel du certificat que j'ai commencé à teaser, dont j'ai un petit peu parlé. Mais d'abord, j'oublie, bonjour le chat, évidemment. N'hésitez pas, si dans le chat vous avez des questions, des remarques, des suggestions, postez vos commentaires, n'hésitez pas. Et on a quelques modérateurs qui sont présents, donc j'essaierai aussi de regarder les différents commentaires que vous pourriez poster. Et merci Pierre-Yves de rappeler ce qu'est un commentaire, c'est tout à fait utile. Et sur base de ça, on essaiera de faire un question-réponse à peu près correct. Donc voilà, et pour commencer ce stream, je propose justement, Pierre-Yves, que tu fasses ce petit enchaînement en nous rappelant un peu c'est quoi ce certificat, avec qui il s'est mis en place, puisqu'il n'y a pas que l'université toute seule qui a mis en place ce certificat. C'est un certificat d'université, enfin c'est un certificat inter-université et haute école, et il y a plein de partenaires qui ont permis sa réalisation. Donc une petite présentation, me semble-t-il, même si évidemment on en a déjà parlé plein de fois sur cette page. C'est un certificat d'abord qui s'intitule Travailler avec la culture vidéoludique. Certificat qui fait 20 crédits ECTS. Donc, on est un ordre d'idée, c'est à peu près l'équivalent d'un tiers d'année académique dans une formation type bac ou master. Et en fait, c'est donc une formation qui est venue du fait qu'on était plusieurs. Par nos casquettes de profs, de chercheurs ou de travailleurs de terrain, en animateur, dans le socio-culturel, etc., à avoir le sentiment et à avoir beaucoup reçu de retours, notamment du fait qu'il y avait un besoin, une envie, une série d'acteurs dans la société qui souhaitaient utiliser le jeu vidéo dans le domaine on va dire socioculturel, mais au sens vraiment large, quoi, que ça va vraiment dans la formation, dans la pédagogie, dans le journalisme, dans la médiation culturelle, dans l'animation culturelle, j'en oublie certainement. Donc on a mis sur pied cette formation, on a reçu c'était d'abord tout un travail évidemment administratif, et puis lorsqu'on a pu lancer les inscriptions, on avait fixé la limite à 25 personnes et on a atteint très rapidement en fait cette limite de 25 personnes. On a dû malheureusement aussi refuser des personnes. Voilà, donc d'abord ça nous a un peu rassuré sur le fait qu'il y avait effectivement une demande. Puis je pense que les inscrits ici présents pourront en témoigner si nécessaire. Et donc en fait c'est une formation qui a été donné de janvier jusqu'à maintenant. En réalité, on est à la première semaine où il n'y a vraiment pas d'activité pédagogique. Et puis, on était triste, alors ce stream a été mis en place pour faire un peu plus plaisir. Les participants ont eu à suivre des cours synchrones les vendredis après-midi et avaient toute une série d'activités pédagogiques à réaliser en ligne de manière asynchrone. Qu'on a appelé le SPOC, donc c'est un acronyme barbare pour dire Small Online Private Course. Donc là, c'est une plateforme sur laquelle il y a toute une série de choses à faire, à lire, à jouer, etc. C'est utile que je le dise parce que on a tout à l'heure un contre-aperçu qui disait de manière bizarre ceci. Et donc, c'est la première formation universitaire en Belgique sur le jeu vidéo. Qui s'adresse donc à des gens qui ont au minimum un bac ou une équivalence en termes de valorisation des acquis par l'expérience. Qui s'est faite à
l'initiative de l'Université de Liège et du Liège Game Lab, en collaboration avec la Haute École de la Ville de Liège, et avec, en partenariat avec le Digital Lab de la province de Liège, dans lequel le Liège Game Lab est fort impliqué. Les participants, pour le coup, n'ont pas vraiment pu beaucoup investir en présentiel, puisque, évidemment, une partie des cours et des activités pédagogiques devaient se faire dans le cadre de nos collections, etc. Et évidemment, bah, vu la situation, tous les cours synchrones ont dû se donner à distance. Pour le coup, on a bénéficié du soutien de l'infrastructure de Job at Skills, qui notamment a mis à notre disposition deux salles spécifiques de visioconférence. Je salue au passage. Est-ce que je devrais dire autre chose? Je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà bien, je pense. C'est une petite intro, mais j'avais quand même une question, peut-être pour Fanny. Finalement, quelles sont les matières qui ont été abordées durant le cadre de ces certificats? Est-ce qu'on est resté sur quelque chose dans une approche très professionnelle du jeu vidéo? Comment utiliser le jeu vidéo? Comment, par exemple, je ne sais pas moi, comment faire des branchements de câbles, de consoles, etc. Ou est-ce qu'on est resté plutôt dans quelque chose de plus théorique, plus conceptuel? Est-ce que tu saurais nous en toucher un mot peut-être pour que tout le monde se rende bien compte de toute la matière qui a été brassée dans le cadre de cette formation? Alors, oui, vaste question. Bah, la réponse, c'est justement qu'on a essayé de donner une approche panoramique. Comme l'a dit Pierre-Yves, l'objectif du certificat, c'était de former les travailleurs du domaine socio-culturel à l'utilisation du jeu vidéo dans leur métier. Donc, il y a eu des parts un peu plus pratiques au certificat. On a fait des tutos OBS, par exemple, pour apprendre à streamer, des tutos de pixel art, des introductions au game design, à l'utilisation de logiciels d'aide à la création, ce genre de choses. Mais il y avait aussi toute une partie plus théorique pour asseoir les contenus dans le domaine des sciences du jeu. Une autre particularité, mais qui est un peu le dada du Liège Game Lab, pardon, j'ai été perturbée par le chat de Piyou, qui est passé devant la caméra. Donc une autre partie importante qui est le dada du Liège Game Lab, c'est qu'on envisage le jeu vidéo non pas comme objet, mais comme pratique culturelle, comme phénomène culturel. Donc dans nos recherches de façon générale et dans le certificat en particulier, on essaye de... On ne s'intéresse pas uniquement aux objets jeux vidéo, mais aussi aux pratiques des joueurs autour de ces jeux vidéo, à leur place dans la presse, à leur articulation avec d'autres médias. Par exemple, il y a eu un cours sur jeux vidéo et littérature. Donc on replace le jeu vidéo dans la sphère de la culture de façon générale. J'espère que ça répond à ta question. Merci Fanny. Hein. Et pour revenir un peu sur ce qui se passe sur le chat, hein, Boris te dit couscous, hein, bien sûr. Donc voilà, si jamais vous avez des questions... J'ai un micro ASMR. Voilà. N'hésitez pas à réagir à ce qui vous parle dans le chat. Vous pouvez également réagir sur Twitter, comme le Liège Game Lab est sur Twitter et sur Facebook. Nous sommes quand même plus présents sur Twitter, donc n'hésitez pas à tag le Liège Game Lab dans vos publications, comme ça on échange aussi sur d'autres plateformes. Avant de revenir plus précisément sur les créations de cette Creative Game Jam et de passer au premier groupe qui va donc un peu avoir l'occasion de présenter ses réalisations, j'avais envie de poser une question à Pierre Voulmont. Piou, dis-moi comment tu t'es intégré toi dans le certificat, à quel niveau est-ce que tu as collaboré en tant que membre de l'équipe pédagogique? Est-ce que tu as eu l'occasion de donner cours? Alors oui, j'ai donné une séance sur la culture, notamment, sur en quoi le jeu vidéo était culturel, etc. J'ai parlé un petit peu d'incertitude. Je relisais des carnets de bord. Hein, les participants devaient remplir des carnets de bord pour remobiliser leur les acquis qu'ils avaient pendant certains cours. Et pendant tout un moment, j'ai été juste absent. Donc du coup, à ce moment-là, ça a été un peu plus compliqué. Et vers la fin, c'était aussi l'occasion d'organiser ce qui était séance d'évaluation par les pairs et séance d'évaluation par l'équipe pédagogique. Donc c'est-à-dire que les participants devaient mettre en place un projet personnel en rapport avec leur milieu de travail. Leur emploi, etc., leur projet à l'avenir. Et donc la première phase, c'était l'évaluation par les pairs. Donc ils devaient présenter leur projet face à des camarades
de formation, ce qui s'est hyper bien passé et qui était juste génial. C'était assez incroyable de voir la synergie qu'il y avait entre les différents participants et l'enrichissement mutuel et l'émulation vraiment créative qui a résulté de ça. Et évidemment, pour nous, avec le retour sur les projets, ça a duré hyper longtemps. On était Pierre-Yves et moi dans le même binôme pour faire les retours. Donc ça a duré évidemment 300 ans, vu qu'on parle tout le temps et que personne ne sait nous arrêter. Mais c'était un vrai plaisir parce que chaque projet, sincèrement, à tous les participants, chacun de vos projets est juste incroyable et c'est à chaque fois un plaisir de découvrir ça et de pouvoir en parler. Parfois on savait vous apporter quelque chose, parfois le truc était tellement déjà complet qu'on savait juste dire « Go for it, c'est génial !» Donc voilà, c'est comme ça que je me suis inséré principalement dans le cours de cette formation. Merci Piu, merci. En plus, t'as pu aborder des éléments que tes compagnons n'avaient pas pu aborder juste à présent, donc c'est super. Et une dernière question avant de vraiment passer dans le vif du sujet, pour remettre le contexte à nouveau, parce que je trouve que c'est important. C'est une creative game jam, c'est-à-dire que c'est une creative jam ou une creative game jam? Non, c'est une creative jam. Creative Jam. Du coup, c'est quoi finalement une Creative Jam et pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de Game Jam dans ce cas-ci et plus généralement, comment s'est intégrée cette Creative Jam dans les différentes activités qui ont été menées dans le cadre du certif, Pierre-Yves? Donc j'imagine que c'est ce Pierre-Yves là. Oui, c'est toi. On voulait finir l'année par une activité collective et créative qu'on a longtemps espéré en présentiel. Heureusement, a dû aussi se faire à distance. Au début, on avait parlé d'une game jam parce que l'idée, c'était qu'un maximum de personnes puissent s'initier à l'utilisation de petits logiciels de création et puis surtout en accompagnant, en réalisant des groupes où les backgrounds techniques n'étaient pas les mêmes. On pensait que... Voilà, on avait pensé à ça comme une game jam générale. C'était aussi dans la continuité d'une game jam qui avait été organisée par Fanny Barnaby l'année dernière, donc la Meta Game Jam. Et finalement, on a pivoté vers une creative jam parce qu'on s'est rendu compte aussi au contact des apprenantes et des apprenants que il y avait aussi peut-être des envies de créer différentes choses et que si l'étape de programmation, comme elle restait, ou de création plus technique, comme elle restait assez marginale dans la formation, pouvait rester, plus un frein qu'une contrainte créative pour certaines personnes. Et donc on s'est dit qu'il fallait probablement ouvrir à la possibilité. Puis tu sais, les personnes qu'on a là et parmi nous sont des personnes qui vont utiliser le jeu vidéo dans leur métier, mais qui vont pas toutes et tous nécessairement avoir à créer des prototypes. Tu as des personnes, pour citer un peu des exemples rapidement de projets que Pierre-Yves cité, on peut imaginer, enfin, on peut citer par exemple des cas de machinima, des animations, de création de machinima à des fins pédagogiques. Il y a des gens qui créent des jeux à des fins pédagogiques ou plus artistiques dans le certificat. Il y a aussi des personnes qui ont réalisé un projet de mettre sur pied une chaîne Twitch. Donc ça peut vraiment prendre différentes formes et finalement on se disait pour que la jam soit le plus en adéquation possible avec les objectifs pédagogiques du certificat, ça servait à rien d'obliger tout le monde à créer un jeu vidéo si c'était pas le but, mais bien de laisser les personnes faire. Et je pense que ce qu'on peut encore préciser, c'est que la Creative Jam, comme elle, y avait un peu deux volets. Il y avait un volet en fait qui était obligatoire, qui durait 4 heures, donc là l'idée c'était simplement par groupe de pitcher un projet. Il y a une partie des participants au certificat qui soit sont dans le chat, soit sont pas parmi nous aujourd'hui, et qui ont donc réalisé un projet qui, on n'en parlera pas je pense aujourd'hui, mais je pense pas que ce soit au programme, mais qui était des projets qui étaient très impressionnants pour ce qu'on pouvait faire sur 4 heures de temps. Et puis il y a un groupe enfin de, je pense, une dizaine de personnes qui a décidé de poursuivre le travail pendant tout le week-end. Et là de réaliser un travail qui, tu vas le voir,
à assembler différentes formes médiatiques. C'est le moment où je deviens trop long et donc je prends la parole. Merci beaucoup Pierre-Yves. Donc pour compléter et terminer cette présentation qui aura, bon c'est toujours les débuts de stream, c'est remettre le contexte, etc. Donc ça dure, c'est toujours les petits, le petit quart d'heure chiant en début de stream, on l'avoue, mais c'était obligatoire. En tout cas merci d'y avoir contribué. Petite précision quand même, le thème de cette Creative Jam était la vie normale et ordinaire d'un avatar. Sur base de ce thème qui est hautement polysémique, c'est-à-dire qu'on peut voir beaucoup de choses, vous allez voir trois groupes qui vont présenter trois créations qui représentent aussi plusieurs formes, pas uniquement des jeux, mais vraiment quelque chose de particulièrement dense et complexe qu'on va vous montrer avec plaisir aujourd'hui. On va essayer de se limiter en 1h40, 2h qui nous reste environ, parce qu'on pourrait vraiment faire une présentation de 5h comme des streamers professionnels. Mais ce n'est pas aujourd'hui le but, puisque nous sommes en fin de semaine et nous sommes claqués, donc on ne va pas faire ça. Donc voilà, merci à vous pour vos interventions. Et on va tout doucement passer justement au premier groupe qui va participer à la présentation de sa réalisation. Alors aujourd'hui, on n'a qu'une seule personne représentante de ce groupe, c'est Pierre. Salut Pierre, tu vas bien ? Tu n'as pas ton micro activé. Oui, voilà. Je vais très bien. Non, voilà, tu es le seul représentant de ton groupe. Voilà. On était sept. C'est on ça. Était sept. Alors, de mémoire, il y avait Sophie, Amanda, un autre Pierre, Karim, Thierry et Ken. J'espère que je ne les ai pas mélangés, mais de mémoire, c'était notre équipe. Okay. Et donc, nous autres, on était donc sur un groupe qui devait pitcher un projet en seulement 4 heures. Et finalement, ça a pris déjà pas mal de temps pour discuter, en fait, parce que 4 heures, ça va super vite. Et 4 heures à 7, y a moyen déjà de brasser beaucoup, beaucoup d'idées. Au point, finalement, peut-être d'être parfois un peu frustré, de se dire, on aurait voulu aller plus loin, on aurait voulu faire autrement. Maintenant, grosso modo, petit à petit, on a dû se dire, et je pense que le processus est intéressant, on a dû se dire, bon, il faut qu'on prenne une direction, il faut qu'on aille dans un sens spécifique. Il faut du coup qu'on fasse des concessions sur toutes les idées qu'on avait. Il fallait aussi du coup, défendre certaines idées pour garder un certain fil conducteur et donc abandonner toute une série de choses. Donc voilà, la vie normale d'ordinaire de l'avatar, ça nous a fait penser, l'avatar il change de forme, on le modifie. Enfin, c'est pas lui qui se modifie, c'est le joueur qui le modifie. Donc... il n'est pas libre, on va peut-être pouvoir travailler avec un double discours entre l'histoire de l'avatar et l'histoire du joueur. Ça nous a fait penser évidemment au monde de Ralph et on n'est pas les seuls à avoir fait ce lien-là. Donc bon, voilà, on a très rapidement, le temps passait et on s'est dit, bon, il faut qu'on se fixe. On va avoir un avatar, et on va essayer de partir sur une idée de jeu vidéo. Et dans ce jeu vidéo-là, eh bien, en fait, l'avatar n'a pas envie d'y jouer. Et dès le départ, au moment où on va lancer le jeu, en fait, on le sort de son activité dans laquelle il est en train de faire et il va râler. C'est-à-dire qu'il va faire ce que le joueur veut. On s'est imaginé être dans un jeu de plateforme, dans un jeu de plateforme. On n'avait pas encore tout de suite une idée très claire de notre background de l'histoire, mais il râle, il rouspète, il se plaît, il n'a pas envie de sauter, il n'a pas envie de se mettre les pieds dans le marécage, il n'a pas envie de se battre avec sa bête petite épée devant des gros monstres. Enfin, voilà, il va rouspéter, mais bon, on s'est dit, on est dans une idée de... Si on le faisait en 72 heures, donc on a essayé de réfléchir, et en tout cas, moi j'essayais de cadrer le reste de l'équipe sur... une idée de projet si on avait eu 72 heures, donc de ne pas trop partir et de s'égarer dans des choses qu'on aurait pu faire pendant des semaines et des semaines. Donc finalement, le concept, le jeu entre l'avatar et le joueur était le plus important que d'avoir des très longs niveaux. Donc on avait un niveau court et il rouspète. Dans ce deuxième niveau, on arrive dans un deuxième niveau où grosso modo l'environnement est plus ou moins le même, mais là c'est fini. Il ne veut plus bouger, il le dit clairement, je ne veux plus bouger. Et donc les actions que fait le joueur ne répondent plus. Et il va devoir trouver des astuces, finalement des mouvements de clavier, des combinaisons de touches qui vont malgré tout permettre de faire réagir cet avatar à terminer le niveau. Et puis le troisième niveau, là c'est fini. L'avatar se rebelle complètement et il court dans tous les sens. Il n'y a plus moyen de l'arrêter, il ne réagit plus du tout aux touches et le joueur va devoir finalement
modifier l'environnement pour imposer à l'avatar d'aller jusqu'à la fin du niveau. Hein, vous voyez, un petit peu comme dans les Lemmings, on doit cliquer sur des actions qui modifient le décor. Alors, bon, de là, on avait déjà une idée qui était pas mal, mais grosso modo, il nous restait 40 minutes. Donc, ça devenait très difficile. Alors, on s'est imaginé, tiens, on pourrait aller plus loin, on pourrait se dire qu'en fait, l'avatar oblige le joueur à détruire le niveau pour qu'il puisse retourner à ce qu'il y a derrière le niveau, c'est-à-dire son petit ordinateur sur lequel il peut jouer à ses petits jeux. Et quand on veut recommencer à jouer, eh bien, il dit non, c'est fini, moi, je ne joue plus à votre jeu maintenant, vous jouez à mon jeu, sur un DAI, évidemment. Et donc là, ben, grosso modo, on s'est dit, tiens, à quoi ressemblerait notre avatar? Ben, notre avatar, il est rebelle, il a des longs cheveux. Puis on s'est dit, ben oui, mais notre avatar, c'est Pierre-Yves, parce que il est rebelle. Et nous, entre nous, ben, on sait qui c'est, Pierre-Yves, on le connaît, il est sur son DAI ordinateur, ça colle bien, mais finalement, ce n'est pas qu'un clin d'œil, ça peut coller aussi à avoir simplement une attitude, un personnage que l'on montre être différent d'un joueur différent, d'un petit personnage et qui ne veut pas jouer. Je pense qu'on le voit, oui, voilà, c'est très chouette. Et donc, ben voilà, sur les dernières 40 minutes, on a essayé d'affiner, d'avoir un document de game design, d'avoir un descriptif de tout ce qui allait se passer dans les niveaux, peut-être même de s'entraîner à imiter ce personnage qui rouspète et qui se plaint, et en même temps, ben, de dessiner très vite dans les outils que l'on avait appris à manipuler pendant le certificat, dans Pixelate, ben, dessiner notre personnage, dessiner l'introduction, peut-être même faire un petit peu des premiers niveaux, bon, puis après, les mettre dans Construct, et ça devenait très difficile d'aller plus loin. Donc ça reste frustrant, mais en même temps, je trouve que c'était vraiment une belle expérience. Et puis alors après, on a vu par la suite le résultat des autres et c'était encore plus bluffant, mais là, je vous laisse pour la suite. Écoute, merci beaucoup pour ta présentation qui a bien teasé ton projet, ça, il n'y a pas de problème. Et tu as parlé du DAI, donc je me permets de rebondir là-dessus puisque ça fait réagir en tout cas les personnes du certificat, et que ce soit dans les participants ou dans l'équipe pédagogique. Donc, est-ce que tu sais, nous expliquer ce qu'est un DAI peut-être? Alors, au sein de la formation, le DAI, c'est un peu l'hélix fossile. Je pense que Fanny pourra confirmer. Donc, finalement, en fait, le DAI, c'est un ordinateur, un micro-ordinateur du début des années 80 qui aurait été fabriqué, ou en tout cas partiellement, en Belgique. Et bon, moi qui connais beaucoup de choses de l'histoire du jeu vidéo, ben, je n'avais jamais entendu parler de cette machine. Je pense que Pierre-Yves en était particulièrement amateur et fait beaucoup de recherches sur le sujet. Donc, c'est apparu très tôt, dès le premier cours. Et c'est revenu un peu, ben voilà, comme l'hélix fossile, de temps en temps, on le ressortait. Ça crée un culte ici, je pense que ça crée un culte. Et dans le chat à l'arrière, ben, toujours on revenait sur DAI. Donc voilà, le projet est là, paf, il fallait dessiner le DAI. Je pense que ça resterait. Je suis vraiment curieux de voir si le DAI aura autant d'adeptes l'année prochaine. D'accord, merci. Et j'ai une deuxième question, puisqu'elle a été posée dans le chat. C'est quoi l'hélix fossile? Ah, l'hélix fossile, oui, d'accord. Bon, alors là, il faut revenir. Il faut revenir dans les cours de détournement du jeu vidéo de Fanny, qu'on pouvait d'ailleurs déjà retrouver, moi je l'ai pris par là dans le MOOC au préalable avant le certificat. Et donc, c'est en lien avec un détournement d'un des épisodes de Pokémon qui se jouait dans Twitch, c'est-à-dire que les joueurs tapaient des commandes dans le chat. Oui, Twitch plays Pokémon, tout à fait. Ça faisait jouer au jeu Pokémon, et donc bah, évidemment, c'était un peu le bazar, et très vite... Il y a un personnage du jeu qui était chaque fois pris, qui était le Pokémon, l'hélix fossile qu'on ne savait pas utiliser. Donc simplement, il le montrait. Et donc, ben, ça a créé un engouement autour de cela. Les joueurs entre eux dans Twitch ont finalement digressé et en ont fait un genre de culte. Et puis, il y a toute une série de... Je pense, Fanny, tu pourras confirmer, mais toute une série d'autres... d'autres éléments qui ont continué à perdurer avec des dessins et tout ce genre de choses-là. Ouais, je te félicite. J'ai juste pour chef. Ah, pardon. Je te félicite pour l'interro surprise. T'as réussi à représenter une partie du contenu du cours comme ça, au déboté. Donc, félicitations, c'est vraiment cool. C'est et je trouve qu'en plus le parallèle est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que l'hélix fossile, c'est devenu un peu le symbole de la construction de cette communauté d'amateurs-là à travers la parodie et la création d'une fausse mythologie.
Et effectivement, le DAI au sein du cours, on le verra parce qu'en fait, il est cité dans les autres projets aussi. C'est devenu un petit peu, effectivement, l'icône du certificat et de la communauté que vous, vous en êtes venu à former à travers le chat des visioconférences des cours. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah oui, c'était tout ce que je voulais dire. Donc le parallèle est vraiment bien vu, je trouve. Merci beaucoup pour vos deux interventions. J'avais une question qui était plus relative aux différentes illustrations que Fanny nous montre actuellement. Est-ce qu'il y a des illustrations que tu veux nous commenter, peut-être, Pierre? Par exemple, j'ai vu que le titre du jeu s'appelait Control Legacy. Donc l'héritage de contrôle. Est-ce que tu sais un peu nous expliquer le choix de ce titre? C'est vrai que je ne suis pas revenu parce que finalement, c'est arrivé assez tard. On avait notre idée. Et puis on s'est dit, il va falloir trouver un titre à ce jeu. Et donc, on a utilisé un outil qui permettait un petit peu d'inventer des noms de jeux autour de l'idée du contrôle, en fait, puisque finalement, c'était ça le concept, c'est que l'avatar, petit à petit, ne voulait plus répondre au contrôle. Et dans l'ensemble des noms que sortait cet outil, Control Legacy nous a paru être sympa. Control, l'héritage, le Legacy, on le voit souvent apparaître dans toute une série de licences de jeux vidéo. Et puis d'ailleurs, nous, on avait appelé le jeu, c'était Control Legacy. Et puis on s'était mis un petit pseudo qui était Urel se rebelle, pour Pierre-Yves Urel, évidemment. Voilà, pour notre petite private joke personnelle. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Désolé, Pierre. Du coup, est-ce que l'un des membres de l'équipe pédagogique veut réagir, puisqu'ils ont eu l'occasion de découvrir un petit peu ou de faire un retour à Pierre sur ce qui a été réalisé, ou un retour aux autres participants qui nous regarderaient sur le stream? Par exemple, Piu, cette fois-ci, est-ce que tu as eu l'occasion de découvrir leur projet? J'ai l'impression de t'avoir surpris comme si c'était en effet une interrogation surprise. Je suis désolé. Si tu veux, la prochaine fois, je t'envoie 30 secondes avant que je vais te... comme ça, tu te prépares. Je m'attendais à ce que tu m'appelles Jean-Roger, moi, c'est surtout ça le problème. Oh oui, bien sûr. Évidemment. Bon, Jean-Roger, dis-nous un peu ton ressenti vis-à-vis du projet de Pierre et de toute son équipe. C'était, on a trouvé ça vachement bien pensé. Enfin, à titre personnel, j'ai complètement halluciné à partir du moment où j'ai vu, Pierre-Yves, à partir du moment où il y a un jeu qui s'appelle Control Legacy, Urel se rebelle. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut dire qu'il a été érigé en premier pi du lab. Hein. On peut dire que le certificat est une réussite. Hein. C'est on ça. On peut aller jusque-là. Je pense, oui. Le truc, c'est que ce projet est tellement représentatif de ce qu'on voulait apporter aux participants, c'est-à-dire un recul par rapport au code du jeu vidéo, etc. Cette idée d'avatar qui se rebelle et qui veut plus agir, en fait, ça va presque dans le même sens que notre jeu de Game is Lava, où on critiquait l'impératif d'action, etc. Et je trouve qu'en fait que tout converge de manière assez surprenante, en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très cool. En profiter pour rappeler un peu, mais très vite fait, parce que c'est pas le propos du stream, mais c'est quoi The Game is Lava? C'est un projet antérieur qu'on a eu au Liège Game Lab, mais qui consistait en quoi, finalement? Donc, on a développé un jeu auquel vous devez jouer pour découvrir comment gagner, et si vous voulez, sur la chaîne du Liège Game Lab, il y a un teaser qui est pas mal et qui est assez calme, assez chill. Que j'ai... L'explosion dans le teaser, bien sûr. Voilà, c'est ça. Pas d'explosion, je veux dire, j'ai réalisé ça quand j'étais vraiment détendu, donc vraiment, allez voir ça. Tout à fait sain d'esprit. Ouais. Merci Pierre-Yves. Et est-ce que quelqu'un d'autre a envie de réagir à cette présentation de Pierre, notamment parmi les participants et participantes qui sont avec nous, parce que vous avez eu l'occasion aussi d'échanger entre groupes pour découvrir aussi, est-ce que l'un d'entre vous a envie d'intervenir? Et de formuler évidemment alors ça peut être un avis, ça peut être un retour à Pierre et à leur projet. Non? D'accord, on passe à la suite, hein, y a pas de problème, rassurez-vous, tout le monde finira par parler. Moi, sans je veux, problème. Je veux oui, bien Fanny. Intervenir pour un retour pour compléter un petit peu ce que Piu disait, en fait, à savoir que je trouve ça intéressant qu'on voit que le cours que Julie Delbouille a donné d'ailleurs sur le rapport entre joueurs et avatars
et sur la remise en question de la notion d'immersion et d'identification à l'avatar. J'ai l'impression qu'il a été marquant pour vous parce qu'on le retrouve beaucoup. Bon, c'est aussi lié au thème de la Game Jam, évidemment, enfin, de la Creative Jam. Mais on le retrouve beaucoup dans vos projets. Et ici, donc, le fait de baser le jeu sur la notion de contrôle et de perte de contrôle, je trouve que c'est bien vu parce que c'est vraiment un motif qui est particulièrement... comment dire, particulièrement riche à mettre en scène au sein d'un jeu vidéo, vu que le jeu vidéo se fonde sur ce rapport de contrôle et de perte de contrôle avec l'avatar. Une autre chose que je voulais dire, c'est que je trouve ça très original que l'adversaire soit l'avatar, parce que c'est quelque chose que je vous avais déjà un peu dit à la clôture de la jam, mais on ressent évidemment une petite vibe Stanley Parable dans le projet, dans le sens où dans Stanley Parable, il y a aussi une mise en conflit entre le joueur et le narrateur. Mais j'ai l'impression que ce type de jeu méta a plutôt tendance à mettre le joueur face au jeu, ou face au système de jeu, ou face au narrateur, mais moins face à l'avatar, qui est plus souvent présenté comme une marionnette ou un prolongement du joueur, ou une prothèse des mouvements du joueur. Et donc je trouve votre projet d'autant plus intéressant que ça déconstruit un petit peu cette préconception que l'avatar, ce serait nous, finalement. Et je regarde mes notes. Je trouve aussi que j'ai essayé de le montrer un petit peu en stream, mais je trouve que la précision de votre game design document est aussi assez intéressante. On voit que vous vous êtes posé vraiment beaucoup de questions sur la cohérence du projet, la nécessité d'avoir des ennemis, l'interface, le son, etc. Donc voilà quelques retours pour dire plus précisément pourquoi je trouvais que c'était super. Oui, 3h20 pour faire le document, 40 minutes pour emballer le reste, évidemment. Ouais. C'est souvent comme ça. Ça prend toujours du temps de réaliser des travaux ensemble, sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes référents, évidemment, pour travailler. Est-ce que Pierre-Yves, tu veux terminer, Pierre-Yves Hurel, terminer en disant quelque chose, peut-être ? Quelque chose, lol. Merci. Donc, j'étais obligé, pardon, J'ai une réflexion là qui est en cours de construction, mais ceci dit, je pense qu'elle va mûrir au fil du stream, parce que c'est quelque chose, je pense, qui s'applique aux différents projets. Ce que je trouve en fait de particulièrement interpellant, c'est que les différents apprenants du certificat ont étudié là de manière assez intensive pendant 6 mois là où les cultures vidéoludiques et que finalement leur projet ne consiste pas à leur projet collectif, la Creative Jam, a été pour eux l'occasion de des projets qui sont vraiment doubles, quoi, qui sont à la fois qui travaillent vraiment sur le fond de la matière qui a été travaillée pendant ces quelques mois, et à la fois qui endosse pleinement la posture finalement des amateurs ou des fans ou des joueurs qu'on a étudié aussi pendant 6 mois. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Je trouve que si ça marche aussi bien, c'est d'abord parce qu'effectivement ils ont très bien suivi les cours et puis qu'ils arrivent à mobiliser rapidement tous les concepts qu'on leur a bombardés au fil des semaines, mais aussi que ces concepts et ces notions les ont aidés à prendre du recul, à analyser et à exercer des contenus qu'ils connaissaient déjà beaucoup en partie. Tu vois, c'est-à-dire que le DAI, en dehors de la blague, comme le disait Pierre, finalement, s'il a autant marqué, c'est parce que justement, pour le coup, ils étaient nombreux à ne pas le connaître. Alors que Et ça a notamment beaucoup marqué ceux qui s'identifient dans la formation, tout le monde n'est pas dans le cas, mais ceux qui s'identifient dans la formation comme des grandes joueuses, des grands joueurs, très investis dans leur passion, etc., et qui se sentent comme étant des personnes ayant... puis bon, le jeu vidéo étant ce qu'il est, l'histoire du jeu vidéo est restant en partie à écrire, de temps en temps, comme ça, tu as une pépite qui sort, et puis du coup, personne n'en a entendu parler, il y a une espèce de côté...
révélation, etc. Et, mais donc, sinon, en dehors de ça, je veux dire, toutes les formes de détournement, de toutes les activités de fans, etc., sont déjà en partie connues, maîtrisées. Donc là, finalement, on vient ajouter avec le certificat quelques compétences, peut-être à la fois l'analyse, mais aussi la pratique de ces formes-là. Et c'est super réjouissant parce que du coup tu peux y voir vraiment des applications dans différents domaines. Moi, mon domaine en particulier, c'est plutôt des animations dans l'association, dans l'associatif. Et là, je trouve que à chaque fois qu'il me faut une présentation, j'ai 12 idées d'ateliers différents où je me dis là, il y a un atelier qui est des ateliers possibles qui sont informés de la part de personnes qui ont la double casquette, à la fois de connaître très bien la culture vidéoludique, mais aussi qui savent la manipuler, la réarranger, la reconfigurer juste un tout petit peu, de manière à ce que ça devienne tout de suite très réflexif, très méta. Et donc, voilà, c'est un commentaire que je répéterai copier-coller dans 15 minutes. À tout à l'heure. Merci Pierre-Yves. Alors moi j'avais envie de réagir à ce que tu disais et ce qu'on disait un peu avant de passer au deuxième projet, comme ça on fait une transition un peu cool. C'était à propos de ce délire sur le DAI qui revient sans cesse et aussi vos différentes réactions, vous les participants et participantes dans le chat. J'avais envie de vous poser la question à vous, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de communauté qui s'est créée autour de ce certificat, une sorte de collectif, comme un peu un club finalement, comme on retrouve des clubs d'amateurs de JV qui se retrouvent, etc. Alors certes, c'est autour d'une formation, mais j'ai l'impression quand je vous vois échanger, quand je vois votre humour, etc., qu'il y a une sorte d'esprit collectif quand même qui s'est créé, qui est assez fort par moment. Je vais demander à Noémie, par exemple, parce que je tombe sur toi, désolé, mais de réagir un petit peu à ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas ou moins, ou ça reste quelque chose de plutôt professionnel, comme on pourrait trouver dans des formations assez standard finalement, enfin standard non, mais dans la conception, je veux dire consensuelle de la formation, où on se retrouve sur le côté, pour voilà, etc. Est-ce que ça te parle, cet esprit de communauté? Alors oui, ça me parle beaucoup, parce que ce qui est quand même assez incroyable, c'est que je tiens à rappeler qu'on ne s'est jamais vu en vrai, enfin, du moins pour la plupart, on s'est peut-être rencontré une fois comme ça, mais voilà, on se connaissait pas du tout. Et pour ma part, moi, j'ai l'impression d'être un peu seule dans ce hobby qui est le jeu vidéo. Et en fait, c'est comme si on avait pris, on a pris plein de gens qui avaient un truc en commun, on les a mis ensemble et ça a créé une grosse soupe. On vient tous de milieux complètement différents et finalement, on se rend compte qu'on a tous beaucoup de points en commun et que nos formations et nos expériences se relient. Alors, en tout cas, moi, je me suis fait des amis, j'ai l'impression. Dites-moi que oui, parce que sinon, je vais me sentir très seule. et voilà, et je prends beaucoup de plaisir à discuter avec eux tous les jours, et notamment aux apéros qui sont devenus un peu traditionnels après la formation, parce qu'on trouvait ça très violent d'arrêter directement juste après les cours, de tout fermer, voilà, on était tout seul. Et justement, la Game Jam, pour mon groupe, on est resté du vendredi au dimanche non-stop ensemble, et ça a créé encore plus de liens. En tout cas, je pense vraiment qu'il y a un effet de communauté qui s'est créé, en tout cas de mon côté. Et je pense que après aujourd'hui, ça ne sera pas terminé. En tout cas, je l'espère. Eh bien, écoute, c'est vraiment mignon comme message. Je pense que ça parle à tout le monde, évidemment. Surtout ceux qui ont évidemment suivi le projet de près comme de loin. Parce que pour ma part, par exemple, je vous ai un peu côtoyé dans le cadre de quelques occasions, mais je suis resté quand même un peu en retrait dans l'organisation du certif. Mais j'ai quand même senti, voilà, je voulais l'aborder, qu'il y avait une sorte d'esprit collectif qui se crée, vraiment d'une écoute mutuelle, de beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de délires aussi sur ce Discord sur lequel je suis inscrit depuis 9 mois environ. Et
qui est floudé au possible. Je ne sais jamais être sur un autre Discord sans avoir des notifications de votre part. Donc, c'est dire qu'il y a quelque chose qui se passe, beaucoup d'échanges, etc. Je voulais le souligner. Donc, voilà, merci d'avoir accepté de réagir. J'avais aussi une deuxième question avant de passer à la suite. Puisque, bon, voilà, ce certificat, il s'est organisé dans une circonstance tout à fait particulière. On est revenu plein de fois dessus dans le cadre de plein d'échanges différents. C'est évidemment ce confinement lié à la pandémie. Donc, est-ce que vous pensez, et ça, j'ai envie de poser la question à Jordan, que cette organisation, finalement, ce sentiment collectif, eh bien, il est aussi possible un peu avec ce confinement qui nous a un peu tous isolés, finalement. Est-ce que ça a changé pour toi? Alors, je sais que c'est une question un peu difficile, mais est-ce que le certificat aurait été différent si on avait été tous en présentiel? Ou est-ce que ça a aussi participé à quelque chose, le fait de ne pas se voir, de créer un lien particulier, de continuer les échanges sur Discord, d'utiliser Discord d'ailleurs comme plateforme, par exemple? C'est une question difficile. C'est difficile comme question. Je pense que le sentiment communautaire dont parle Noémie s'est fait un peu plus tard que ce que ça n'aurait été si jamais on s'était vu en vrai dès le début. Parce que je pense qu'on a mis, en tout cas moi j'ai mis pas mal de temps avant de commencer vraiment à parler à d'autres gens, et en dehors de la formation. Mais il y a un truc qu'on a maintenant, qu'on n'aurait à mon avis pas eu si on s'était vu en vrai, c'est que là, on a envie de se voir en vrai, très clairement, et on a envie de continuer ce truc-là. On a envie de se rencontrer, d'ailleurs, on a un rendez-vous qui est prévu. donc voilà, c'est un peu différent comme relation, je pense que ça a mis un peu plus de temps à se construire, mais que du coup, il y a un lien assez fort qui s'est créé justement par rapport à ça. Parce qu'on pouvait toujours être en communication. On se serait vu que le vendredi. Je pense pas qu'on aurait autant utilisé le Discord, qu'on aurait autant utilisé les moyens informatiques, et que donc finalement, même si la communauté s'était créée, on ne se serait peut-être pas autant soudé entre les cours. Je sais pas si c'est très clair. Écoute, c'était tout à fait clair. Je te remercie. Je te remercie pour ton avis qui, je pense, parle aussi aux différents participants et participantes qui sont là, vu le nombre de messages mignons qu'il y a dans le chat, à part le tout dernier. Mais ça, c'est autre chose. Alexis, excuse-moi, mais je voulais juste ajouter, quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire que d'un point de vue semi-extérieur à la situation, je trouve que il y a quelque chose qu'a dit Noémie qui me semble, je crois que c'est Noémie qui me semble très important, c'est à la fois le fait, et ça nous on le connaît aussi parce qu'on étudie le jeu vidéo, et on sait que étudier et enseigner le jeu vidéo, c'est pas tout à fait la même chose que étudier et enseigner d'autres domaines. Comme c'est un domaine qui malheureusement reste encore très dévalué sur le plan de la hiérarchisation, de la légitimité culturelle, déjà, il y a un facteur quand même de regroupement qu'on voit dans les communautés d'amateurs et de fans, qui est tout ce qui est phénomène de légitimation de son hobby qui est dévalué par son entourage, etc. Donc, on pourrait se dire que le fait que ce soit une formation sur le jeu vidéo soude une partie de la communauté. Mais ce que je voudrais quand même souligner pour nuancer ça, c'est qu'il y a des personnes dans la formation qui se disent non-joueurs ou non-joueuses, et que ça n'a, selon mes observations, que ça n'a jamais posé problème, et que l'ensemble de la, disons, on va dire de la communauté maintenant, s'est montré à l'opposé de ce qu'on pourrait connaître dans des phénomènes, tu sais, type Gamergate, d'élitisme vidéoludique, etc. Au contraire, c'était vraiment quelque chose de, dans les échanges que j'ai pu observer à chaque fois, il y avait une volonté de partage, de recommandation, d'explicitation de ses propres goûts, machin, etc. Mais jamais pour écraser le manque de compétences ou de connaissances d'une personne ou d'une autre. Et donc ça, je crois que c'est beaucoup plus difficile à expliquer, si ce n'est par la qualité humaine des personnes qui se sont retrouvées dans cette formation. Mais je voudrais voilà, aussi le dire sur le fait que ce n'est pas qu'une question de gamers qui se retrouvent à faire bloc dans un contexte de dévaluation de légitimité. Merci beaucoup Pierre-Yves, je pense que c'était
essentiel que tu le précises. Et Cécile, tu veux peut-être... Cécile, excuse-moi. Aline, est-ce que tu veux peut-être réagir? Excuse-moi, vos deux images sont l'une à côté de l'autre. Ouais. Et oui, c'est en fait pour confirmer ce que Pierre-Yves disait. Parce que moi, je considère qu'au départ, je ne suis pas une vraie gameuse pure et dure. Et donc, c'est vrai, au commencement, quand je suis arrivée dans le groupe, je me suis dit, ouille, il y a une de ces... Il y a une concentration de joueurs, d'enthousiasme, etc. Et finalement, comme dit Noémie, tout doucement, il y a une communauté qui s'est mise en place. Et au lieu d'avoir des cercles fermés, on a pu profiter en fait de l'expérience, de l'expertise des gens du groupe. J'ai été, moi, complètement sciée par tout ce que les autres étaient prêts à partager avec nous en termes de connaissances et de trucs et astuces. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Merci. Merci beaucoup Aline. Je pense que voilà, on peut refermer cette petite parenthèse qui était chouette et on peut passer à la deuxième présentation de cet après-midi, qui est le deuxième projet donc d'un groupe qui s'appelle Vendredaille et qui va nous parler d'un projet à un titre un peu spécial. Donc on a Stéphane et Aline, tous les deux, qui sont présents aujourd'hui, entre autres parce qu'il y avait d'autres personnes dans le groupe. Est-ce que vous voulez un peu nous teaser votre projet? Alors bon, ici évidemment, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc ça c'est chouette, ça fera que ça sera plus facile. Je pense qu'il y a des mots à retenir, comme méta, notamment, ça clairement. Et également le fait que bon, on était dans un dispositif très particulier, qui était celui qui a été édicté, et nous faisions partie du groupe du Vendredaille. Pourquoi? Bah parce que c'est le avant le retour du Jedi et du Sabdaï et tout ça, enfin comme tout le monde sait. Mais l'idée c'était surtout que ce groupe du Vendredaille, il y en a eu deux, hein, deux groupes du Vendredaille au final, deux groupes de Vendredi. C'était les personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir le temps, enfin malheureusement pas la capacité de temps, de faire les trois jours, ou en tout cas de pouvoir développer quelque chose sur trois jours. Et donc on s'est dit, on va essayer de se rassembler entre personnes qui n'avons pas le temps de faire ça. Donc du coup, on a dû faire un peu comme Pierre expliquait pour leur groupe, on a dû s'imaginer, tiens, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait eu 72 heures, voire plus si affinité bien entendu, ou si folie, ou si délire, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, nous, entre nous, avec nos capacités à nous, qui n'étaient pas spécifiquement axées gaming, justement. C'était plus... dans notre groupe, il n'y avait pas de personnes qui savaient coder, par exemple. Il n'y avait pas spécifiquement de personnes qui avaient des capacités de graphisme évoluées ou des choses comme ça. Et donc, on s'est vraiment demandé, tiens, comment est-ce qu'on peut faire? Et sachant que le Game Jam, à la base, c'était déjà par principe, le fait qu'on nous a... Pierre-Yves nous avait déjà édicté le fait qu'on pouvait très bien adapter la consigne à notre sauce aussi, donc assez vite, mais pas si vite que ça, l'air de rien, puisque venant effectivement d'horizons et de façons de travailler en brainstorming très différentes, c'était assez marrant aussi, on a vu, voilà, on est parti sur quelque chose qui est devenu transmédiatique, en fait. Et on s'est dit, on va pas créer un jeu parce qu'on saurait pas le faire, et encore moins en 72 heures, mais on va imaginer, tiens, au final, de quoi ça nous parle cette histoire de la vie ordinaire d'un avatar. Et très vite, on est venu également à penser au monde de Ralph, comme le groupe Pierre également. Il y a quelques autres référents, mais essentiellement le monde de Ralph. Et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça deviendrait un has-been du jeu vidéo comme avatar? Et donc là, il y a l'image de Duke Nukem, avec évidemment... donc Duke Nukem, c'était intéressant, parce que bon, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Arlésienne ou pas, c'est que Duke Nukem Forever a été attendu pendant des années par une fanbase qui était petit à petit s'est érodée, avait des attentes qui n'étaient plus en phase avec la société d'aujourd'hui. Et puis surtout, Duke Nukem, c'est quoi? C'est volontairement, de façon complètement... revendiqué, c'est une caricature de caricature. Donc c'est Duke Nukem, c'est quoi? C'est un mélange de Van Damme, de Dolph Lundgren, de Stallone, de tous les héros des films des années 80, les films d'action, les actionneurs, etc. Dont plusieurs du groupe, d'ailleurs, dont moi, sommes un peu, ont été biberonnés aussi à ça. Hein, donc on a vu l'évolution, voilà.
Et donc très vite, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que Duke Nukem, après sa dépression d'office qu'il a fait après Duke Nukem Forever, puisque ça a été un fiasco en termes de... Enfin, ça a été un fiasco, bon, je sais pas, j'ai pas vérifié les chiffres honnêtement, mais bon, on sait que le jeu n'a pas eu l'accueil, vu toutes les attentes qui avaient été mises dedans, etc. Et puis, objectivement, de mon point de vue de joueur, le jeu n'était pas bon. Donc voilà. Et bon, voilà, moi j'avais connu et patiné du Duke Nukem 3D sous tous les angles, voir arriver ce truc-là après Half-Life, après tout ce qu'il y a eu après, donc voilà. C'était déjà une première réflexion aussi, qu'on pouvait rentrer dans, tiens, c'est quoi l'histoire de l'évolution du jeu vidéo, c'est quoi... Donc on a commencé à partir dans un délire de parodie de parodie, donc sans se prendre au sérieux, mais tout en ayant un tas d'éléments qui avaient été vus au cours. Donc c'est-à-dire, au final, tiens, quel est le lien entre l'objet, le média jeu vidéo et son lien avec la société et son temps. Et Duke Nukem est vraiment, tout comme le cinéma, tout comme la BD, c'est des choses qui sont souvent revenues aussi lors du certificat, c'est qu'on a souvent fait des ponts et au cours, et par le cours qu'on nous donnait, et entre nous, et par les anecdotes qu'on donnait, c'est-à-dire, tiens, mais oui, au final, c'est quand même un peu pareil que tel film, ou un peu pareil que telle chose, il y a des crossovers évidents, il y a de la narration qui est très commune, que ce soit en littérature, mais aussi en cinéma, et maintenant, c'est dans l'autre sens que ça va, puisque le jeu vidéo a dépassé le cinéma en termes de puissance industrielle, donc on s'est dit, tiens, si on renversait tous ces codes-là, aussi, et si on interrogeait ce que la nouvelle vie d'un avatar représentatif tel que Duke Nukem pouvait devenir. Donc, avec les moyens limités qu'on avait, on s'est dit, transmédia, storytelling, pourquoi pas imaginer une présence médiatique, lui créer une page Facebook, lui créer un compte, un blog, lui créer une nouvelle activité qui soit en ligne et qui soit publique. Et cette nouvelle activité publique, c'est quoi? En fait, son vrai nom, hein, son vrai nom et prénom, c'est Fab qui avait été trouvé ça sur le net, c'est... Il y a des gens qui ont imaginé le vrai nom et prénom de Duke Nukem dans un délire, et c'était Nathaniel Esquire. Quand on a vu ce nom-là, on s'est dit, on va pas chercher autre chose. C'est suffisamment nawak, donc c'est très bien. Et donc on a imaginé que lui avait développé donc à toute sa biographie, qui a été écrite, évidemment. Donc on imagine qu'il a en fait été, dès le départ, très frustré, parce qu'il a fait le bootcamp des avatars quand il était jeune, et il a fait notamment avec une certaine Lara, qui est devenue qui on sait, Lara Croft, et donc il a toujours été très déçu d'après de voir comme elle a réussi son parcours dans le jeu vidéo et sa carrière encore aujourd'hui, et au cinéma et ailleurs, tandis que lui, il était un petit peu bloqué. Donc ça lui a donné aussi ce côté très machiste qu'il a dans les années 90, et qui n'est plus l'actualité dans les années 2000. Ça fait aussi des clins d'œil, il y a pas mal de réflexions qu'il y a eu transcours ou pendant le cours par rapport à, tiens, au fond, quel est aujourd'hui l'impact du sexisme dans le jeu vidéo. C'est quelque chose qui a été très, très marquant aussi à un moment donné du certificat, donc c'était intéressant de l'interroger de cette façon-là aussi. Mais alors, on a imaginé également que ce Nathan Exwire devenait coach de vie, en fait. Suite à une hibernation de 6 mois dans le coffre de son Hummer, hein, puisque Duke Nukem ne peut pas rouler dans une Twingo, on est bien d'accord, il faut un truc très gros, très ancré dans des années où c'est too much, donc voilà, il a dormi dans son Hummer, et puis il lui est apparu sa grande révélation, qui est donc, je vais vous citer exactement, le développement autarcique intrapersonnel, ce qui, quand on prend les lettres, fait DAI. Et donc, il a déposé cette méthode-là. Donc, le DAI, c'était quoi? C'est quelque chose qui devait être ancré aussi dans l'univers parodique et parodique de la parodie de ce qui est Duke Nukem. Donc, il fallait qu'on ponde un texte complètement abscon sur une méthode de développement personnel qui veut rien dire. Et donc, on s'est fendu aussi de créer, donc ça, c'est de la création transmédia, entre guillemets, mais c'était faire aussi tout un descriptif de ce que avancerait, voilà, vous l'avez à l'écran, le développement autarcique et interpersonnel, avec quelques petites citations typiques de Duke Nukem, qui, comme il est ancré dans son temps, c'était chaque fois, chaque citation de Duke Nukem était tirée d'une œuvre de pop culture. Ça, je pense que ceux qui connaissent le savent, et donc, systématiquement, et comme Get Some, etc. Et alors à chaque fois, on a utilisé ça pour un peu faire. Voilà, on parle aussi de la part féminine de nos cerveaux reptiliens gauche et créatifs
etc. Enfin, des trucs qui ne veulent rien dire. On a imaginé aussi des petits panneaux, genre comme on partage sur les réseaux sociaux, avec ces citations-là, absconses, mais que les gens pouvaient partager, qu'ils partagent sur son site, sur ses sites, sur sa bio, etc. Donc voilà. En 3 heures de temps, il était difficile d'aller beaucoup plus loin, évidemment, mais on aurait pu imaginer. Qu'est-ce qu'on aurait imaginé pour la suite? Bah, c'était vraiment de lui développer tout un univers, évidemment, toute une vie post Duke Nukem Forever. Toutes des déconvenues, tout un tas de choses. On aurait pu lui imaginer faire des posts rétro posts sur les réseaux sociaux, etc. Où vraiment on voit, tiens, quand il a été dépressif, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, pourquoi il a pondu ces trucs-là. Il y avait moyen de faire toute une storytelling autour du personnage et de réinventer l'avatar, et en l'utilisant évidemment pour faire également une critique sociétale de son temps passé, de ce qu'on est aujourd'hui, et des travers dans lesquels on passe aussi aujourd'hui, l'air de rien, puisque c'est toujours, on passe d'un côté à l'autre, Sapiens aime bien raconter des histoires, comme on sait, donc c'était voilà, c'est une porte d'entrée intéressante pour aller au-delà du jeu vidéo, mais en utilisant la culture vidéoludique, évidemment. Voilà, donc quelque part, on reprenait pas mal d'éléments du cours, sans faire de création de jeux vidéo, puisqu'on n'en avait pas les moyens, en tout cas, pas les moyens ni temporels, ni techniques, je veux dire, dans un premier temps, et de capacités. Et donc on est parti sur cette idée-là de projet transmédia. Voilà. Je pense que c'est assez représentatif. Si Aline voit d'autres choses que j'aurais oubliées, je dirais Profitroll. Mais voilà. C'était le mode. Le keyword est sorti. Et toujours un mot à dire. Vous ne savez jamais en fait lequel c'est. C'était la seule fois que vous savez, c'était aujourd'hui. Voilà. Merci Stéphane. Mais écoute, merci pour ta présentation. Il me semble que vraiment il y a un propos dans votre projet qui est lié à la question de la représentation du genre dans le jeu vidéo, qui est vraiment une question qui est nécessaire d'être posée aujourd'hui, à la fois sur le plan de la recherche, parce que ça permet d'étudier notamment ce que Klein identifie qui est la masculinité militarisée, que Jean Vaux reprend par exemple dans des textes en français, et dont vous abordez ici avec Duke Nukem, qui est une figure évidemment des années 80-90. Et puis, il y a une imagination dans votre projet. Mais oui, Duke Nukem, c'est vraiment une figure importante d'une histoire du JV, hein, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Mais en tout cas, d'une grande partie de l'histoire commerciale du jeu vidéo, c'est une figure qui est revenue régulièrement. Donc, merci pour votre projet. Est-ce que les membres de comment dire, de l'équipe organisatrice veut réagir? J'arrivais plus à dire ce que je voulais dire. Vas-y, Pierre-Yves. Est-ce qu'on m'entend mieux? Parce que tout à l'heure, j'ai vu que le chat disait que la sélection du bruit rendait le micro bizarre. J'espère que ça va. C'est ok, super. T'as du bruit de fond, mais soit ton cerveau. Oui, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, en fait. Soit j'ai du bruit de fond et tu l'entends, soit je le coupe, mais on n'entend plus ma voix, a priori. Donc j'essaye de juguler le truc. Mais enfin, voilà. Fais comme tu peux, c'est très bien. Bon bah du coup je me lance sur ce projet, c'est un deuxième projet qui est évidemment très intéressant et très interpellant à son tour, et donc du coup je vais essayer de faire un commentaire sur la forme et sur le fond. Bon, une remarque générale, je pense que ça vaut pour les trois projets et puis ça sera encore plus vrai pour le troisième projet parce qu'il a une dimension intermédiatique assez touffue. Mais donc du coup, je trouve que c'est des projets où il faut admettre avec humilité qu'ils sont pas faciles à analyser. C'est pas simple de donner un retour formatif, on va dire, dans le jargon pédagogique sur ces projets, parce qu'ils sont c'est des projets exception, quoi. Donc ça, je trouve qu'il faut qu'on en tant que formateur et formatrice, faut quand même reconnaître ça. Et donc du coup, je trouve que c'est bien de réussir quand même malgré tout à dégager d'abord les enjeux qui sont là sur le fond. Et je trouve que ce projet, finalement, en y réfléchissant et en le voyant exposer une deuxième fois, ce qui me saute aux yeux, c'est que en fait, c'est un projet qui réussit de manière très économe et de manière très efficace, très économe, à mettre en perspective la question même, en fait, au centre du certificat, la culture vidéoludique, et à la mettre en perspective à la fois sur le plan historique et sur le plan politique. Je trouve que ça, c'était un message qui a été, disons, bien rappelé dans une des dernières séances de,
du certificat, mais qui était en fait déjà présente en filigrane dans l'ensemble de la formation et qui est quelque chose qui est très important pour Liège Game Lab, c'est l'idée que la culture vidéoludique, la culture du jeu vidéo, quand on s'intéresse de très loin à cette question, au début, ça peut sembler très facile à identifier, à définir, etc. Et finalement, une des choses qui nous intéresse au certificat, c'est de relativiser ça et de montrer que, en fait, ce qu'on considère comme étant du domaine culturel est toujours la résultante de rapports de force qui sont multifactoriels. Et donc ici, je trouve que, par exemple, voilà, sur le fond, avec le fait de créer ce décalage de ce personnage très ancré dans une époque, y compris dans ses, dans un message, dans une caricature qui pouvait peut-être être comprise différemment d'une époque à une autre, en fait, de créer ce décalage, c'est très malin, quoi. Ça permet en fait de montrer que la culture vidéoludique évolue, que c'est quelque chose de mouvant. Ça permet aussi de désacraliser. Moi, j'ai en horreur les histoires panthéon du jeu vidéo où en disant, voilà, il y a quelques grands auteurs, quelques grandes œuvres, etc. On peut pas y toucher. C'est vraiment. Bon, je trouve que si le jeu vidéo fait ça, bref, je vais pas. Je trouve pas de manière élégante de finir cette phrase. Mais donc, je trouve que c'est pas ça qu'il faut faire. Et je trouve qu'au contraire, avoir cette approche critique et réussir à montrer les évolutions, etc., c'est pas toujours simple. Là, c'est une manière très simple de le faire et qui semble évidente, en fait, quand on reçoit ce projet. Là, je trouve ça vraiment génial. Et sur la forme, je veux dire que ça m'a rappelé, en fait, j'y ai repensé entre-temps depuis la première présentation en interne, ça m'a rappelé, en fait, des dispositifs un peu différents. Et par exemple, je pense que c'est le musée du débarquement de la ville de Caen en France qui a fait des personnages, qui a créé un personnage fictif, deux militaires qui s'engagent pendant la Seconde Guerre mondiale et qui en fait utilisent des réseaux sociaux, Facebook et Twitter, peut-être Instagram, je ne sais plus, et qui donnent des nouvelles à la première personne comme s'il était, alors ça commence, je pense, je sais plus, 40, quelque chose comme ça, et puis au fur et à mesure, il nous donne des nouvelles à la première personne de toutes les étapes qu'il vit. Et donc en fait, ça, c'était une démarche de médiation culturelle liée à la Seconde Guerre. Mais du coup, je trouve que finalement, cette porte d'entrée du personnage réel ou fictif. À l'usage, en utilisant les réseaux sociaux, je trouve que c'est quelque chose, voilà, qui est appliqué à d'autres domaines et que je trouve très, très pertinent. Ça m'a aussi rappelé des personnages de fiction sur Twitter, et je pense notamment à des personnages de Sims qui sont issus de Machinima tourné dans les Sims 4 qui se retrouvent sur YouTube, et notamment ma série fétiche, les Sims à Mykonos. Donc c'est une reprise de la télé-réalité des Ch'tis à Mykonos, mais tournée dans les Sims. Et donc certains des personnages de ce Machinima sont incarnés sur Twitter avec leur propre compte personnel, etc. Ça permet de faire vivre de manière transmédia comme ça. Donc on retrouve en fait une pratique de fan, une pratique d'amateur, mais ici utilisée à des fins de réflexivité, de prise de recul et d'humour. Avec des éléments importants de la culture vidéoludique. Voilà, pour moi. Merci Pierre-Yves. Alors, comme tu parlais de ne pas faire d'histoire panthéon, il y a un article de Björn Olav Dozo sur la possibilité de faire une histoire polyphonique du jeu vidéo qui me semble-t-il accessible en ligne, qui fait partie, qui est l'un des chapitres, me semble-t-il, de cet ouvrage, hein, Culture vidéoludique. Si vous ne l'avez pas encore. Je ne sais pas s'il nous en reste. Je ne sais pas si on a encore de notre premier tirage des numéros ou si on peut encore les commander. Il est épuisé, c'est ça ? Il est épuisé, mais on travaille sur une. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais enfin, on travaille sur une suite. sur une nouvelle édition. Voilà. C'était l'occasion de teaser aussi que le Liège Game Lab était aussi dans,
dans les bacs, comme on dirait, hein, qui a sorti son livre. En tout cas, merci pour ton intervention. Alors vite, est-ce que les deux autres membres de l'équipe pédagogique ici présents veulent revenir sur ce qui a été dit par Pierre-Yves, puisqu'il a soulevé pas mal de thématiques sur lesquelles qu'on peut aborder. Maintenant, on a encore une petite heure pour présenter le dernier projet, qui est conséquent. Donc, je pense qu'il demandera aussi pas mal de discussions. On a place pour un dernier commentaire, Pierre-Yves ou Fanny, si vous en avez besoin ou envie, si vous souhaitez réagir, ou aussi pour les participants et participantes, s'ils souhaitent rebondir sur quelque chose qui a été dit. Mais je pense que... Je peux faire un mini commentaire rapide. Oui. Mais sauf si Aline voulait intervenir aussi, je... Non ? Ça va. N'hésite pas. Mon commentaire sera très bref. Je voulais souligner trois grands atouts de ce projet, mais qui ont déjà un petit peu été dits par Pierre-Yves. Le fait que c'est une narration super imaginative qui témoigne à la fois d'une grande maîtrise des références culturelles vidéoludiques que vous vous appropriez, et aussi d'une maîtrise des concepts vus en classe que vous déconstruisez à travers la parodie. Bah, Alexis a parlé du concept de masculinité militarisée, par exemple, dont la déconstruction est clairement au cœur du projet. La référence au triangle magique, enfin au cercle magique via le triangle magique, par exemple, ça me fait beaucoup rire aussi dans le PowerPoint de la formation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà dans le premier projet et qu'on va revoir dans le troisième, à savoir que vous avez toutes et tous opté pour des projets relativement parodiques, donc ce qui prolonge aussi le cours qu'on a eu sur le détournement, mais qui montre en fait justement le degré de maîtrise que vous avez acquis vis-à-vis des concepts vus en cours, parce que la parodie, ça nécessite d'être capable de comprendre ce qu'on parodie, autant sur le fond que sur la forme. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je trouve très maîtrisé. Et enfin, je trouve aussi que c'est vraiment chouette d'avoir replacé le jeu vidéo dans un contexte plus largement transmédiatique. Ça collait très bien avec l'objectif de la Creative Game Jam, comme on l'a déjà rappelé, et avec le fait d'envisager le jeu vidéo comme... d'envisager la culture vidéoludique et non pas seulement le jeu vidéo. Voilà, voilà. Merci, Fanny. Je pense qu'on peut passer à la suite et la présentation du troisième projet, qui est un projet sur lequel, pour le coup, on a un certain nombre de participants et participantes qui vont évidemment tous s'exprimer, bien sûr, à propos de leur projet. La pression, tu vois, déjà, qui est mise en évidence. Non, je rigole évidemment. Mais en tout cas, ce troisième groupe qui s'appelle les Dyconautes. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a envie de nous présenter la formation permettant l'acquisition du diplôme avatar intergénérationnel? Oui, hein, bien sûr. Donc, on va faire un peu d'histoire là, parce que sinon ça va être trop compliqué. Pourquoi déjà notre groupe, c'était le groupe qui s'est formé et tous les participants voulaient en fait faire les 3 jours. Donc, on s'est dit, ok, on va faire un truc et on va le faire pendant le week-end. Ça va être génial. On va vraiment aller l'état d'esprit de la jam. Et on avait au début déjà un groupe de quelques personnes qui avaient déjà quelques idées en tête. Et à ce moment-là, il y a eu un plus petit groupe qui est venu se greffer sur le nôtre parce qu'on voulait pas les laisser tout seuls. Parce que bon, on était un groupe assez volumineux. Je pense qu'on était déjà 7 et il y avait juste 3 personnes. Donc on s'est dit, bah voilà, on va leur proposer un petit peu déjà de venir nous intégrer et on va imposer nos idées à eux finalement. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a vraiment eu une belle cross-pollinisation d'idées. Et donc, on s'est retrouvé à 10, avec des gens, en fait, qui, il y avait des gens qui voulaient faire de la programmation, qui voulaient faire du jeu. Il y avait des gens qui étaient plus dans l'idée de faire quelque chose de création de contenu. Justement, comme on a déjà parlé, on voulait rester dans le méta, on voulait aller dans le transmédiatique. Parce que le jeu vidéo, c'est pas seulement le jeu vidéo, c'est toutes les subcultures qui ont été influencées et que le jeu vidéo a influencé. Et comme on était dans le truc là avec l'avatar, la vie normale de l'avatar, on est assez rapidement venu sur un truc. Oui, mais alors si l'avatar,
Bah, si c'est l'avatar, c'était quelque chose, un personnage non joueur qui voulait en fait devenir un avatar, quoi. Et là, tout à coup, ça a cliqué. Parodie, voilà. Ben, on va faire en fait la parodie du Spock, du certificat. On va créer le certificat. Mon Dieu, j'oublie le nom. À l'aide. Le DAI. Comme avatar intergénérationnel. Merci beaucoup. Et donc en fait, on a complètement fait une copie conforme de l'interface du Spock. En y apposant notre pitch par la parodie, donc on a fait des semaines en semaine, on a fait plusieurs cours autour de ce fait que un personnage non joueur qui voudrait se former à devenir un avatar. Et donc je reprends un peu le retour du truc, voilà quoi. Donc en fait, comme on voit à l'image, on a repris les codes du Spock. Du certificat, du vrai certificat, justement avec carnet de bord, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et puis, on a commencé à faire dans le délire là-dedans, quoi. Donc, voilà, on en a un peu, voilà, il fallait remplir un carnet de bord à chaque semaine sur les acquis du cours visité, cette semaine-là. Ah ben voilà, on a fait un petit peu ça comme ça. Bon, ça c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que on était un petit peu lazy et on a fait ça à la fin. Et donc on était un petit peu à court d'idées. Mais voilà, on a un peu comme dans la réalité en fait, parce que voilà quoi. Parfois on n'avait pas des choses à rebondir sur le cours. Heureusement, nos gentils coordinateurs et profs nous ont permis de faire juste chaque fois juste une case par semaine. C'est ce qu'on a fait ici aussi. Donc, on est vraiment allé dans le méta et dans la parodie. Et donc, voilà, quoi. On a présenté. Voilà, voilà. Vas-y, t'as... Non. Donc, on a vraiment, vraiment copié. On a un petit copié la forme avec la présentation des profs. Mais puis, bon, voilà, quoi. On a commencé alors à faire un petit sondage, mais aussi, je vois rien à mon écran. Attendez, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc, en fait, voilà, on a fait donc la présentation de l'équipe pédagogique. Donc, bon, il y a moyen d'aller voir ça par après. Voilà, on est resté un petit peu dans le pitch de parodie, voilà, en utilisant des personnages de Sims. Voilà, voilà par exemple des exemples comme ça quoi. Et voilà, donc ça c'était donc l'équipe pédagogique. On va pas aller tout lire parce que sinon vous en avez pour des heures, parce que il y a du contenu. Oh mon Dieu, c'est moi. Il y a du contenu et voilà, qu'on a essayé de remplir au mieux toutes ces choses là pour justement un petit peu rebondir et parodier un petit peu le personnel encadrant. Voilà, je vais pas aller dans les détails parce que, mais bon, on a mis du cœur. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, hein, il me semble. Voilà. Merci beaucoup, Tom. Est-ce qu'il y a l'un des autres participants qui a envie de pas, parce que là vous êtes quelques-uns, donc on peut peut-être avoir plusieurs points de vue différents. Ça peut peut-être alimenter la présentation. Ah, il y a quelqu'un qui est parti. Il s'est dit non, moi je me casse. J'ai pas envie. Voilà, c'est Ekin qui nous avait quitté. Donc, est-ce que l'un d'entre vous a envie de rebondir sur cette première présentation par Tom? Non, moi, j'avais envie de revenir notamment sur un peu d'histoire avec la révolution des princesses. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui souhaiterait m'en parler, par exemple? Allez, Cécile, cette fois-ci. Je sais pas de quoi tu parles en fait, mais je peux donner mon avis sur mon expérience. Oui, bien sûr. En fait, c'est l'un des chapitres de votre cours. Et en fait, je voulais simplement savoir un peu comment ça s'était justement créé, cette étape, parce que Tom a déjà donné des indices. Comment est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord sur quel chapitre intégrer dans ce travail? Est-ce que c'était chacun voulait mettre sa private joke, sa blague, etc.? En fait, de base, on avait déjà plein d'idées différentes, donc ça fusait partout. Et je pense que ça s'est mis quand même assez facilement en place, puisque comme du coup on faisait semaine par semaine, bah, on s'est dit qu'on allait faire chacun ses idées
Par exemple, l'idée d'un jeu, enfin plusieurs jeux, l'idée du quiz, l'idée de l'article et tout. Donc vraiment, on a essayé de rassembler toutes les idées de tout le monde. Et les personnes du groupe ont laissé leur génie créatif fuser au plus haut point. Et voilà, c'était assez, ça allait assez simplement, en fait, bizarrement, même si on était 10. Donc c'était un peu, on se disait... 10, ça va pas le faire, on va être beaucoup trop, ça va pas vraiment aller. Et finalement, comme on avait un peu des petits sous-groupes en fonction des semaines qu'on avait, et il y avait aussi des personnes qui étaient assez aussi polyvalentes, qui travaillaient un petit peu sur plein de semaines en même temps, et du coup, ça coulait un peu de source et ça n'a pas été difficile pour nous de dire qui faisait quoi, qui faisait ça, et donc voilà. Ok, super, merci. Et est-ce que l'un d'entre vous a envie de réagir à ce qui se passe actuellement? Donc, comme vous le voyez, on est en train de réaliser un sondage. Et qui a bossé sur le sondage, par exemple? Comme ça, est-ce que l'un d'entre vous a eu l'occasion de bosser sur le sondage? Tu es en train de réagir. Oui. Bah, du coup, c'est okay. Moi, j'ai bossé dessus. J'ai fait le sondage en entier, quoi. Et donc, j'ai mis plusieurs questions un petit peu bateau, comme on voit dans les quiz et les sondages de nos jours. Et donc, je trouvais ça assez marrant. Par exemple, ici, on voit, tu te trouves face à un ennemi, que fais-tu? Bah, ça a un peu des réponses hyper drôles, et en suivant sa réponse, on va voir qu'à la fin, on sera un avatar. Ok, merci Cécile pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres contenus qu'on peut découvrir sur le site qui, je le rappelle, est disponible en ligne? Il me semble qu'il a été partagé dans le chat, donc les viewers peuvent et les autres participants et participantes peuvent s'y rendre pour le découvrir par eux-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres contenus auxquels certains d'entre vous ont participé à l'écriture, au développement et qui souhaiteraient ensuite le présenter? Par exemple, Ekin, est-ce que tu as bossé sur quelque chose en particulier, toi, dans ce dispositif, ou est-ce que tu as aidé à son pitch, etc. Donc, Alors moi j'ai aidé un peu au pitch, mais j'ai surtout travaillé sur la semaine 2, platformer. Okay. Donc j'ai bossé sur un jeu. Donc on peut, si tu cliques dessus, tu arriveras à jouer au jeu. Donc d'abord, bien sûr, il y a l'entraînement qu'on pourra peut-être regarder après. Ouais, est-ce que tu permets que je montre l'échauffement avant de jouer au jeu, puisqu'on n'est pas encore vraiment échauffé? Je pense qu'il faut s'échauffer avant de jouer au jeu. Hein. C'est important. On devait tous le faire, c'est ça? Oui, tout le monde le fait, et dans le chat aussi, hein, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est normal, Fanny, mais on n'entend pas le son. Ah non, zut, attends. C'est toujours compliqué sur Discord, mais ceci dit, je pense qu'on peut rapidement expliquer et puis continuer de commenter, de discuter en même temps qu'on regarde les images dans le fond. Oui, c'est vrai. Non, c'est moi qui ai enlevé le son de Twitch, évidemment, parce que sinon je ne sais pas. Donc oui, ils entendent. C'est super compliqué parce que vous n'avez pas le... Vous avez un petit décalage, les participants, entre ce que vous voyez et ce que vous entendez. Voilà, on est bien échauffé. Je peux lancer le jeu et qui ne peut le... Kawabunga, c'est parti. Voilà, alors là tu peux lancer le jeu, et donc l'idée c'est que le jeu finalement c'est une sorte de simulateur qui va entraîner notre pauvre avatar Jean-Jacques à devenir un bon avatar dans les jeux de plateforme. Et donc ça nous a permis de venir travailler toute une sorte, tous les clichés qu'on peut associer aux jeux de plateforme, tout ce que finalement les joueurs, les comportements que les joueurs font dans les jeux de plateforme. Et dès le début par exemple, voilà, vous avez une flèche à droite, mais le joueur qui est malin, il va aller à gauche. Le personnage au-dessus à droite, c'est qui? Alors, c'est le personnage en haut à droite, c'est le coordinateur de la formation. Le coordinateur, c'était Tom, qui nous explique comment devenir un bon avatar. Il faut bien sûr suivre les commandes du maître joueur. Et les commandes du maître joueur apparaissent en bas à droite. Vous voyez, il y a trois petites flèches. Et en fait, il faut obéir aux commandes. Donc là, je vois en décalé, donc j'imagine que tu as déjà les premières commandes qui sont apparues.
Et donc tu vas aller à gauche. Il faut en fait, dans le temps imparti, sans que le joueur ne se doute de quelque chose, arriver dans les zones, si tu veux. Il y a une sorte de petite particule qui indique ces zones. Et à chaque fois, alors il y a un petit dialogue qui nous explique et qui fait une sorte de réflexion sur ces clichés dans les jeux de plateforme. Donc là, j'imagine que tu es au stade du coffre. Ouais. Donc là, forcément, il fallait, c'est une sorte de fil conducteur, faire la blague sur le DAI. Et donc voilà, le joueur qui demande c'est quoi ce truc, qui comprend forcément pas du tout. Alors, je me suis souvent demandé si le jeu était trop dur ou pas, je vais le découvrir en live. Finalement, le DAI, c'est presque un contre-thème, tu vois, c'est... Le thème Avatar ne les satisfaisait pas, il fallait faire le thème DAI. Donc je confirme qu'en effet, ce passage est peut-être un peu trop dur. Et en encore, vrai, ça peut... j'y arrivais très bien avant, mais... Et en fait, il y a de l'aléatoire sur les mouvements de ces plateformes. Et donc, il y a des moments où... Ouais, super. Il y a des moments où les passages sont un peu compliqués. Et donc là, c'est une autre attente, typiquement. Un joueur a toujours forcément une attente par rapport au pic. J'imagine que t'es déjà un peu plus loin, mais... je l'explique quand même, et donc il comprend pas pourquoi il est pas mort, et donc le formateur lui explique qu'en effet, les pics, ce genre de choses qui revient dans les jeux, ça fait partie du capital ludique finalement, des choses que tous les joueurs partagent, les pics ça tue, voilà. Et donc c'est bizarre quand ça le fait pas, donc c'était un peu pour jouer là-dessus. Et puis voilà, il y a aussi une blague sur les PNJ, parce qu'en fait c'est aussi un centre de formation sur les PNJ. Voilà. Je sais plus ce qui se passe à la fin. Donc le c'est un stage comme ça et ça se termine à la fin de ce stage où tu as eu le temps de faire un deuxième niveau ou c'est non, t'étais tout seul à bosser là-dessus. En fait on était trois, ouais. Tu veux bien de le dire, j'étais avec Alex et Molly sur ce sous-groupe et à la base on voulait faire un jeu ensemble, on a quand même fait un jeu ensemble, mais vu qu'on c'était dur de bosser sur le même fichier en distanciel, on a chacun fait un niveau. Et donc moi j'ai fait le premier niveau, et le niveau que vous êtes en train de voir actuellement, c'est le niveau de Alex. Lui il a fait le deuxième niveau, et alors Molly a fait le troisième niveau. Okay. Et le truc c'est... Vas-y, pardon. Et du coup on avait tous des approches vraiment différentes. Donc moi il y avait un côté plus narratif et textuel, et lui il s'est vraiment basé, c'est plus l'école du gameplay quoi, il s'est vraiment basé sur « tu reçois des ordres ». Et il faut, et alors c'est une sorte de jeu d'énigme, il faut essayer de suivre ses ordres. Et parfois en fait il faut y déroger, il faut ne pas suivre ses ordres si tu veux réussir à terminer le niveau. Son niveau est particulièrement difficile par contre. Donc voilà, bonne chance. Je suis particulièrement doué. Ah, je t'ai entraîné je pense. Est-ce que vous aviez tous les trois des connaissances préalables en Construct 3? J'imagine que oui, puisque dans la formation on en parlait à un moment donné. Il y a eu l'introduction à ce petit logiciel qui permet de créer des jeux. Mais est-ce que vous avez ressenti des difficultés pour créer votre jeu? Parce que je vois qu'il y a du graphisme différent. Donc est-ce que le graphisme c'était une manière de se faciliter la tâche? Ou est-ce que c'était juste simplement des visions de jeux différentes? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de problèmes pour le codage du jeu? Ou au contraire, est-ce que ça a été une épreuve en soi? Non, en fait, les différences de graphisme entre les jeux, c'est parce qu'on s'est dit on va faire l'évolution des jeux de plateforme. Donc on a commencé par un truc en 1 bit, donc en noir et blanc, et puis après on est parti sur du 16 bits, donc là il a commencé à avoir de la couleur, etc. Et alors le dernier jeu, c'est le jeu du futur, qui est en fait une sorte de blague aussi, par rapport à la formation, et qui est en fait le jeu qui avait été créé justement durant la formation sur Construct 3 avec Pierre-Yves. Donc on partait tous sur une base un peu égale, enfin on avait tous en tout cas des notions sur Construct, avec des disparités quand même. Et donc on s'entraidait pas mal, Alex m'a pas mal aidé sur le code, et moi je connaissais un peu plus le programme, donc je lui montrais où étaient les différents paramètres. Et puis Molly aussi, elle s'est bien débrouillée, elle avait l'aide d'Alex aussi. Voilà. Okay. Super, attention, merci beaucoup. Attention, vous êtes prêts à découvrir le dernier niveau? Soyez concentrés. Oui, vas-y. Vas-y. Video games is really shaping young people's.
Et voilà, voilà. Ok, voilà. Ok, d'accord. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci Ekin et merci Fanny. Il est sans voix, Alexis, là, il ne comprend pas. Je pense que... Franchement, là, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Ouais, on en est là, quoi. Ok, mais d'accord. Oui, mais donc, du coup, si tu veux, tu as pu. Je pense que là, les participants ont pu remédiatiser une sensation qu'ils ont eux-mêmes vécue. Parce que j'étais en charge d'un tuto construct un vendredi après-midi où je pense qu'on était particulièrement fatigué et euphorique et où en fait Bruno avait demandé aux étudiants de proposer des mots-clés à mettre dans des bases de données de son et d'images pour qu'on les récupère, et ma tâche c'était de continuer mon tutoriel en intégrant les données qu'il me donnait. Je me suis retrouvé à devoir faire quelque chose avec un burger, un escargot, une tête de Trump, des chips, etc. Et donc du coup, c'était l'atelier d'initiation le plus psychédélique qui m'a été donné de donner. Mais en tout cas, on a appris en s'amusant, comme on dit. Ouais, c'est donc, ça laisse des souvenirs qui ont une trace encore aujourd'hui, visiblement. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors j'avais une deux autres questions à poser pour que toutes les personnes qui aient participé au projet puissent s'exprimer là-dessus. J'avais envie d'entendre Romain, qu'on n'a pas entendu depuis le début, et ça c'est pas grave, puisque chacun doit faire à tour de rôle. Par contre, fais gaffe, Pierre-Yves, on entend ton retour. On entend ton retour au micro, c'est pas grave, merci. Et du coup, Romain, toi tu t'es investi comment, toi, dans ce projet? Est-ce que toi aussi tu as eu l'occasion de faire l'une des semaines avec un groupe? Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, hein, tout à fait. Donc avec Jordan principalement, et puis d'autres ont rejoint, hein, notamment Cécile, etc. On s'est attardé sur la semaine 4 avec la création du RPG. Pour ma part, j'ai fait énormément de textes là-dessus, et ça peut être intéressant qu'on en reparle après, parce que tous ces textes qui constituent un peu la narration environnementale du RPG sont vachement méta, et c'était effectivement le but. C'était un peu le mot d'ordre au final sur toute cette réalisation, c'était d'être méta. Et en grosse partie, moi, j'ai composé toutes les musiques que vous entendez pratiquement. Et donc voilà, c'était amusant. C'était un challenge, et c'est ça aussi qui est intéressant. Je pense qu'on s'est un peu tous jeté des défis à essayer de réaliser sur ce week-end. Chacun a essayé de se jeter sur un truc qu'il connaissait qu'à moitié. Voilà, moi, enfin, composer des musiques pour des jeux vidéo, j'avais jamais fait ça. J'ai fait ça avec des VST, et c'était conceptuel et c'était intéressant. Tout comme scénariser des jeux vidéo, ben, j'avais jamais fait ça non plus. Et donc voilà, tout ça, c'était vraiment amusant. Et enrichissant aussi, puisque on n'a pas choisi, je pense, la facilité. Chacun a essayé d'apprendre un maximum sur le tas, et je trouve que chacun s'en est super bien sorti finalement. Et je dis pas jeter des fleurs, hein, mais chacun s'en est très bien sorti. Mais je pense que de toute façon, on n'est plus au stade où on se jette des fleurs ici, vu le nombre de messages d'amour qui ont été balancés sur ce stream depuis son lancement. Mais en tout cas, ce qui était intéressant dans ce que tu disais, je trouve, enfin, tout était intéressant, mais quelque chose qui m'a particulièrement touché, moi personnellement, parce que je suis aussi musicien comme toi, tu le sais bien, parce qu'on se connaît par ailleurs. Et à ce propos, c'est que lorsqu'on fait une game jam, il y a tout corps, enfin plein de profils différents qui participent pour plein de ressources différentes aussi, puisque quand on crée un jeu, on peut insérer de la musique, etc. Alors on n'est pas obligé évidemment d'être musicien, puisque on peut très bien créer de la musique sans l'être forcément et toucher un petit peu ou aller chercher, etc. Mais ça me faisait aussi penser, quand tu disais que tu avais fait la musique, ah bah voilà, là ça fait très fort penser à l'organisation d'une game jam où à un moment donné on fait une scission des tâches et quelqu'un va par exemple se concentrer un peu plus sur la musique du jeu, etc. Et comme toi justement tu es musicien, ça te parlait, ça te touchait, donc je trouve ça super intéressant. Par contre, j'ai vu que l'esthétique de votre RPG elle se basait sur des... C'est quelque chose qu'on pouvait retrouver dans l'RPG. Moi, j'avais l'impression de voir un Final Fantasy quand on regardait votre pas loading screen, mais votre écran de chargement. Où est-ce que vous avez été trouver tous ces éléments graphiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé en imitation? Est-ce que ça faisait partie d'une base de données qui préexistait?
Ben, là-dessus, je vais rendre à César ce qu'il y a à César et plutôt à Jordan ce qu'il y a à Jordan. Je vais lui donner la parole, mais effectivement, il y a une grosse partie qui vient d'RPG Maker. Et on a quand même après rajouté 2-3 petits trucs pour personnaliser très fort l'expérience et on le verra dans le jeu. Mais là, Jordan en parlera du coup bien mieux que moi puisque c'est lui qui a travaillé. Ce que je propose, c'est que Fanny, tu lances la partie. Ah bah tu as déjà lancé. Je viens de le faire et je veux bien juste une petite interruption pour demander au chat si le rapport entre le son du jeu et le son de nos voix est ok ou si je dois baisser le son du jeu. Mais je dois attendre du coup 10 secondes le temps que vous me répondiez. Jeu un peu fort, ok. Bah mettez-vous d'accord. C'est l'histoire de Twitch, hein, Fanny. J'aurais dû savoir qu'il fallait pas poser des questions au chat. Attendez, je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Et c'est parti. Donc je vous laisse commenter et je joue tranquillement en même temps. Oui. Donc on attend que je commente. Hein, c'est bien ça, j'imagine. J'ai une question pour le chat aussi. Pour le chat. J'ai vu plusieurs fois apparaître le thème Barco. Qu'est-ce que c'est Barco? Parce que ça revient dans tous vos projets. C'est une plateforme qui a été utilisée à un moment donné dans le cadre du certificat. C'est la plateforme de Jobatsky. En fait, c'est le nom de la plateforme de visioconférence qui a eu quelques petits problèmes à certains moments, disons. Enfin, et dont l'esthétique a été marquante aussi parce que c'est là que se sont déroulées la plupart des leçons. D'accord, ok. Et je montrerai aussi plus tard, vu que ça fait partie du Spock parodique, votre imitation de la plateforme Barco, parce qu'elles sont très rigolotes. Très bien. Je te laisse, Jordan, commenter un petit peu. Alors, tu peux parler de la jeunesse, tu peux parler de tout ce que tu veux, du graphisme, etc. Donner ton avis. Alors, par rapport aux graphismes qui sont très Final Fantasy, parce que RPG Maker, c'est fort sur... sur les RPG qui ont été créés dans la période environ 16 bits, Super NES, etc., Super Nintendo. Et on aurait bien voulu créer un petit peu des décors nous-mêmes, des tilesets, comme on appelle ça. Mais sachant que nous n'avions qu'un week-end pour faire la Game Jam, c'était impossible. Donc on a fait quelques petites choses bien spécifiques à nous. Mais oui, il y a beaucoup de private jokes aussi sur le jeu, si vous voulez. Il y a moyen quand même d'y rester environ 40-50 minutes avec beaucoup de... beaucoup de petites blagues qui ont été inventées par Romain. Vous avez fait ça en 3 jours ou vous avez continué le développement après? Non, on a fait ça en 3 jours. On a commencé vraiment RPG Maker vendredi. Il y a une heure de gameplay? En 3 jours, vous avez fait une heure de gameplay? C'est balèze. Si jamais vraiment on lit tous les dialogues, etc., je pense qu'on en a pour une demi-heure environ. Et puis après, il y a des phases de leveling, il y a des personnages différents avec des sortilèges différents, des compétences différentes, un équilibrage avec les monstres, etc. Et j'imagine que c'est pour ça que vous vous êtes dirigé vers RPG Maker aussi, parce qu'il y a plein de structures de RPG qui sont déjà pré-encodées dans le logiciel et que vous auriez dû coder vous-même, par exemple, si vous aviez utilisé Construct 2 ou Construct 3. Oui, quand vous parlez de structure de RPG, vous pensez à quoi exactement? Par exemple, les phases de leveling, est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui permettait, genre un caractère leveling, des conditions, ou est-ce que vous deviez vous-même encoder les conditions, par exemple? Comme on les encoderait dans RPG... dans Construct 3. Oui, dans RPG Maker, il y a quand même un truc où on peut... Il y a déjà des montées de niveau, etc., qui sont prévues, mais on a dû rentrer le nombre de points d'expérience qui était nécessaire pour pouvoir monter de niveau. On a dû rentrer les statistiques de chacun des personnages, les compétences, qu'est-ce que les compétences faisaient. Oui, voilà, ça c'est spécial Romain, ça. Ça c'est quelque chose que nous avons installé dans le jeu, le DAI. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, que chaque compétence fasse par rapport au truc de force ou au truc de défense ou des choses comme ça. Enfin bon, voilà, ça c'est... Le logiciel, on n'a pas dû coder sur le logiciel vraiment. Enfin, on n'a pas dû coder le logiciel. Mais dans le logiciel, on a dû mettre tout ce qui était nécessaire pour que le jeu fonctionne. Pas si c'est très... Non, c'est très clair. Ça montre en fait que c'est... Voilà, voilà. Nous pouvons alors acheter la DAIG. La DAIG. Voilà. Grâce aux 100 pièces d'or qui nous ont été données par l'enfant, parce que souvent, évidemment, c'est l'enfant qui nous donne ça. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un au début qui nous donne la quête. Et donc, au début, il y a plein de choses un petit peu à faire dans ce village. Ça ressemble vraiment, en fait, à quelque chose de typique de tous les RPG 16 bits. On commence dans un village avec juste un pub, avec juste des magasins, etc.
Et puis, finalement, oui, on s'y retrouve tous dans ce petit pub. Hein, vous pourrez parler. Oui, c'est ça. Tous les personnages sont des membres aussi, sont des participants, des participants à la Game Jam. C'est ça. Et alors, on peut alors tous se recruter, les 10 membres qui avons fait le projet. On est recrutable dans le jeu et alors on a des compétences bien spécifiques. D'ailleurs, si on regarde les compétences du personnage pour essayer de... On a essayé de rester vraiment dans la diégèse du truc. Donc, c'est-à-dire que lui, il a uniquement suivi un cours de plateforme. Actuellement, il y a un petit peu de RPG. Donc, si jamais on va dans le menu... Ah oui, il y a un grand texte. Est-ce que c'est Ekin qui dit le grand texte, évidemment? Mais parce que ça parle de médiation culturelle et que Ekin est très doué là-dedans. Voilà. Yeah, bro. Tout ça, c'est Romain qui doit répondre, parce que c'est lui qui a fait toutes les lignes de dialogue. Je ne veux de problème avec personne, ce n'est pas copyrighté par moi. Et donc voilà, les seules compétences qu'il a, Wilhelm, justement, c'est avancer vers la gauche ou vers la droite. Donc uniquement ce qu'il a appris finalement dans son jeu de plateforme, qui ne sert absolument à rien dans les combats ici, puisque il commence sa formation dans les RPG. Donc en tant qu'avatar, actuellement, bah, il est un peu apprenti avatar, quoi. Il n'a rien d'utile, vraiment. On l'a appelé Wilhelm aussi. Ça, je crois que c'était une idée de Tom, je m'abuse, je ne sais plus. C'était en fonction du Wilhelm Scream, hein, donc c'est le nom donné à ce fameux cri qu'on retrouve à chaque fois au cinéma, qui est un nom complètement lambda, du coup. On voulait quelque chose d'assez universel, quoi, finalement. Okay. Et en fait, on va se rendre compte dans le RPG, mais ça, je vous laisse essayer si vous voulez, on se rend compte dans le RPG au fur et à mesure que tout ce qui nous paraît complètement ultra basique dans n'importe quel RPG de l'ère 16 bits, c'est en fait quelque chose de complètement monté, c'est un coup monté, en gros, et vous le découvrirez plus précisément en parcourant ce jeu, qui donc fait, qui fait environ 45 minutes si vous voulez le parcourir en entier. Voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup pour ta présentation. Et si jamais vous voulez faire ce RPG, comme Fanny est en train de faire, n'hésitez pas à cliquer sur tout, parce qu'il y a des petits dialogues sur énormément de choses. Voilà. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'événements, etc. Donc voilà, c'est quelque chose. RPG Maker, on n'était pas ultra familiarisé avec ça, mais un peu quand même, et donc on a voulu approfondir à mort ce point-là. Est-ce que ça a été facile de prendre RPG Maker en main, ou... Est-ce que tu dis que t'étais pas très familiarisé, ou est-ce qu'à un moment donné... Est-ce que vous avez du crunché ou pas? T'appelles crunch. Disons qu'à un moment donné, je travaillais encore jusqu'à 4h du matin, parce que le problème de RPG Maker, c'est que on pouvait pas travailler sur une... sur le projet, quoi. C'est pour ça que Ewa m'a énormément aidé, par exemple, en trouvant certaines musiques, en faisant le château, donc le donjon, en faisant les cartes, en me donnant plein de choses. Et Romain m'a énormément aidé par rapport au dialogue. Et moi, finalement, j'avais qu'à rentrer ça de manière à ce que dans le logiciel, tout soit cohérent. Et voilà, on peut se faire suivre alors par tout le monde. Et chacun, si on ouvre le menu, d'ailleurs, a des statistiques bien propres. On a dû calculer les statistiques, on a dû calculer les compétences. Ouais. Une question de Maxime Verbesselt d'Action Mediation qui demande si tous les participants ont eu accès à RPG Maker durant la formation. Alors ce projet-là, non. Enfin, je veux dire, cette sauvegarde-là, vraiment, le fait du projet de la leçon numéro 4, non, puisque c'était sur mon ordinateur et donc on pouvait pas... je pouvais l'envoyer, mais voilà. Mais par contre, le logiciel RPG Maker, oui. Tout le monde là chez lui, on a pu un petit peu tous essayer, enfin, en tout cas ceux qui ont voulu essayer, on peut un peu le faire, pour voir un peu à quoi ça ressemblait, pour qu'on puisse s'aider plus facilement. Super. Merci beaucoup pour ta présentation qui était très claire et qui permettait de bien comprendre le jeu et puis toutes les dynamiques de création qui sont intervenues en fait durant ce projet. J'avais une question, une dernière peut-être, et puis après on peut passer plutôt à l'avis des membres de l'équipe pédagogique peut-être, mais j'avais envie de poser à Jean-François la question concernant lui, ce qu'il avait eu l'occasion de faire dans le cadre de ce projet, comment il avait eu l'occasion de s'investir, sur quoi il avait bossé, ce qu'il en avait pensé. Alors, moi, j'ai d'abord fait le faux Spock et le faux Barco, hein, donc on a fait l'interface.
Alors, je vous invite d'ailleurs à cliquer un peu sur tous les liens. C'est peut-être l'occasion de montrer le faux barcode, du coup, Fanny. Je ne sais pas ce que tu en penses. Comme ça, on peut... On montrera peut-être après, quand on fera le faux débat, on remontera peut-être le barcode, mais... Ok, ça va. Sinon, le spot, ben voilà, donc c'était d'abord, effectivement, un peu rejoué sur cette réappropriation du concept, et donc, comme on l'a un peu appris aussi dans les jeux. Donc ça c'était déjà assez amusant et puis c'était tous le brainstorming qu'on a fait tous ensemble. Ça c'était vraiment chouette parce que à la limite on avait trop d'idées. Je crois qu'on aurait pu faire un mois de cours facilement tellement on avait des idées. Donc ça c'était vraiment chouette. Et alors après c'était tous les petits montages vidéo, toutes les petites zones qu'on va avoir, etc. qu'on a combiné en mettant des effets ainsi de suite. Donc voilà. Et donc ça c'était très chouette. Et alors ce qui est, on s'en rend pas toujours compte, mais vous allez le voir au fur et à mesure, c'est qu'il y a beaucoup d'impro quand même un peu partout dans toutes les différentes séquences. Et on avait toujours une idée de base, mais on ne savait jamais comment ça allait finir. Et donc il y a plein de choses comme ça qui sont rajoutées sur les vidéos et même sur les jeux de plateforme, le jeu de plateforme ou le RPG. On avait la trame de base et puis on a découvert après tous les petits trucs par exemple que Romain avait rajouté dans les textes, etc. Donc c'était vraiment plaisir parce qu'on découvrait nous-mêmes alors qu'on était dans le mode de création, on découvrait nous-mêmes le système de création et ça c'était vraiment chouette. Et donc voilà, c'était un petit peu comme ça et on s'aidait tous hein, de toute façon, on était une grande famille et on restera toujours. Il y a beaucoup de choses mignonnes dans cette présentation. Et donc toi, tu finalement, t'as été plus t'as été plutôt le webmaster, j'ai vu dans le chat de ce projet, c'est ça? Oui, j'ai repris j'avais comme facilité en HTML, donc j'ai repris, j'ai recodé le système, refait un peu pour que ça donne la sensation qu'on était vraiment dans le vrai Spock. Et puis s'est amusé aussi, notamment dans lors du débat, etc., un peu être en freestyle comme ça, c'est toujours assez amusant. Justement, je propose qu'on enchaîne et qu'on montre un petit peu tout ça, parce que tu m'as teasé, maintenant j'ai envie de découvrir un petit peu ça, parce que je rappelle, moi je n'ai pas eu l'occasion, donc je découvre en même temps que les différents viewers qui nous ont rejoints, qui ne sont pas participants ou membres de l'équipe pédagogique, je n'ai pas vu avant les projets, donc je découvre en même temps. Je suis évidemment fasciné par vos... Vous mettez la barre en fait assez haut pour les prochaines éditions, ce qui est tout à fait intéressant à voir comment on va faire pour les prochaines éditions. Mais ça, c'est un autre débat. Enfin bref, donc, Fanny, qu'est-ce que tu vas nous montrer du coup? Comme on a proposé, je vais peut-être montrer la table ronde sur Barco. En fait, il y a plusieurs vidéos qui sont proposées. Alors, dans les différents... Il y a donc des vidéos qui ont été enregistrées et publiées comme si c'était un vrai Spock. Voilà, c'est ça. Je vais peut-être pas la montrer en entier, mais par exemple, le cours de Linda Sympa, qui est une Sims. So soon, yabadou, goûte galou. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors, il y a un cours sur les jeux vidéo d'horreur aussi, que je montrerai peut-être après, je sais pas. Mais alors, ce dont on parlait juste avant, c'était la table ronde qui a eu lieu sur Barco, qui est une parodie d'une table ronde qui a effectivement eu lieu dans le certificat. Que je vais peut-être vous mettre un petit peu plus longuement. Donc dites-moi si vous entendez bien. Bonjour à tous, bienvenue à cette cinquième semaine. Déjà cinquième semaine, tout le monde est là, tout le monde est en forme, vous avez bu votre petit café. Ok, super, je regarde dans le chat. Ok, ça sort. Ah, quelqu'un est dans la file d'attente. Bon, il faut se rendre compte quand même qu'il n'y a aucun texte d'écrit. Hein. Alors, donc rappel, c'est les différents intervenants avaient 2-3 idées, mais tout le reste c'est freestyle. Et bah, vous verrez après une petite mention. J'espère qu'on aura à un moment donné tout passera un peu plus loin pour avoir Molly. Ça vaut de l'or. Plusieurs membres de l'équipe pédagogique seront là, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir chez nous, etc. Alors
Voilà, on va commencer. Ah non, petit problème, petit souci technique. On règle ça. Allez boire un petit café en attendant. On se retrouve dans quelques minutes. On disait aussi le barco, où effectivement c'était un peu une nouvelle technologie. Et comme tout le monde s'est mis à faire une, à distance, c'est très très difficile pour tout le monde. Et c'est vrai que l'équipe des formateurs a essuyé un peu les plâtres de cette nouvelle technologie. Ils ont fait. Donc on s'est un peu moqué aussi gentiment parce que c'est vrai que c'était. C'était comique parce qu'on était tous là-dedans, hein, le nombre de fois qu'on oubliait d'activer nos micros quand on voulait parler, alors on voyait les lèvres qui bougeaient. Donc vous avez concentré toutes vos anecdotes durant le certificat en une vidéo, c'est-à-dire les pépins informatiques qu'il peut y avoir toujours sur les communications comme ça en distanciel, le fait de pas activer son micro, le fait d'avoir un peu des soucis à s'exprimer. Est-ce que vous avez tout concentré tout ça finalement? Oui, c'est ça, c'est vraiment un petit concentré. Et en plus, bon, c'est une petite anecdote aussi, à un moment donné, on a eu une vraie table ronde dans le certificat, qui a été animée, mais gentiment, hein, donc pas du tout comme ici. Et donc, c'est ça qui a un peu fait rebondir là-dessus, c'est un peu les différentes dimensions des différents participants. Et donc effectivement les problèmes techniques, les avis de chacun, les interventions un peu impromptues de l'un ou l'autre. On a vraiment tous les codes qu'on peut retrouver dans ce genre de réunion, que ce soit pour le SPOC ou autre part. Et alors sur le côté vous avez le petit écran, parce qu'on avait un écran en fait où on voyait tous nos retours de vidéo. Et donc ça c'est une autre vidéo qu'on a refilmée et qu'on laisse en boucle. D'accord. Regarder le film en fait. Ok. Je le répète hein, pour les viewers qui viennent de nous rejoindre, bonjour, bienvenue déjà. Le site sur lequel nous regardons actuellement les différentes vidéos et les différents contenus est accessible. Vous pouvez vous rendre dessus. Ce serait peut-être bien qu'on le republie dans le chat, comme ça ceux qui ne l'ont pas eu peuvent se rendre dessus et découvrir eux-mêmes les différents contenus, parce que même dans cette présentation, on n'arrivera pas à faire le tour de tout. Donc on peut éventuellement tout présenter, mais on n'aura jamais le temps. On peut faire une vidéo de 4 heures de votre projet, donc on va essayer de faire au max, mais aussi dans le temps qui nous est imparti, puisque là, on approche, je vous avoue, on est plus proche de la fin du stream que de son début, ou que même de son milieu, donc on va continuer à présenter des dernières interventions, des derniers contenus, et puis tout doucement, on refermera cette parenthèse qui a été magnifique, mais qui, à un moment donné, va se refermer, voilà, sniff, mais qui perdure, puisque vous, comme je le dis, vous pouvez aller sur le site et découvrir tout ça. Donc voilà, est-ce qu'on peut aussi... Donc ça, c'est l'imitation de la plateforme Barco, alors sur... S'il y a des prochains candidats pour le certificat, vous verrez, ça ressemble... Alors, à deux, trois détails près, normalement, il y a le chat aussi. On avait pensé à refaire le chat, parce que le chat est très important dans le certificat. Une valeur sûre. Il y a moitié du coup qui passe dans le chat et qui est très important. Mais donc oui, c'est vraiment l'interface Barco telle qu'elle. Et donc là, oui, on a l'intervention. Je crois qu'il y a Molly qui a intervenu là et qui était aussi le truc. Alors oui, Romain qui apparaît. Ah, ça c'est. Qui avait tiré sa caméra. Et donc voilà, et on ne s'est pas démonté au cas, mais on ne savait pas du tout. Et Molly, par exemple, je sais bien qu'elle nous écoute, mais elle n'a pas la chance d'être avec nous en caméra. Mais on ne savait pas du tout qu'elle allait réagir et qu'elle allait faire quelque chose. Donc on a rebondi là-dessus de manière complète. Et puis la petite dispute aussi, à un moment donné, de tous les intervenants. Vous allez voir le petit clash qu'il va avoir à un moment donné. J'ai coupé le son pour vous laisser parler, mais je peux peut-être mettre la fin. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On peut regarder de loin. Non, mais allez, zen. Voilà, on va reprendre ça. Non, mais ne quittez pas. Mais non, mais allez. Bon. Voilà, manifestement... Du coup, moi, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit, et qui plus est ici pour l'équipe pédagogique, et notamment pour Pierre-Yves, puisque, bon, bah, moi, je me rappelle quand on a appris on était dans un contexte de pandémie, qu'on avait déjà une organisation du certificat, mais qu'il fallait tout rechanger et trouver une alternative assez rapidement. Je sais que ça a été des semaines très longues et très courtes en même temps, tu vas me dire, parce qu'il fallait faire énormément de choses en très peu de temps.
temps et que mais c'était assez difficile. Et finalement, toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de voir que les participants et participantes du certificat reprennent complètement la structure, s'en moquent ouvertement, ou en tout cas parodient complètement ce qu'ils ont vécu, mais bon, évidemment, toujours avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humour. Mais en tout cas, voir que ça les a marqués énormément, t'en penses quoi, toi? Pour te dire une petite anecdote rigolote, c'est qu'à la fin de la Game Jam, on avait fait une forme de cérémonie de clôture où ils nous présentaient leur projet. Et en fait, je pense que sur le moment, on est resté un peu bête, tu vois. D'une part, parce que c'était dimanche et que tout le monde était fatigué, mais aussi parce que, genre, je le disais tout à l'heure, c'est d'un coup, tu reçois énormément d'informations et la charge cognitive est légèrement violente et qu'on est resté un peu bête. Donc du coup, c'est même certains des participants qui nous auront recontactés par la suite en disant « Oui, bah, c'était gentil de dire que c'était bien le projet, mais est-ce qu'on pourrait avoir des retours un peu plus formatifs est-ce qu'on pourrait avoir des commentaires, etc. » Et je trouve ça trop chouette parce que... oui, effectivement, que je vois le chat qui dit on était fatigué à tous les cours. Non, mais c'est vraiment une excuse bidon que je sors à chaque fois. Donc c'est une anecdote pour te montrer que simplement, c'est difficile quoi, de savoir quoi dire face à un truc comme ça qui reprend. Donc là, les gens, évidemment, à moins que Fanny veuille aller montrer le Spock, éventuellement, ça peut permettre de montrer aux gens que le vrai Spock a été suivi, si tu y arrives, hein, sinon c'est pas très grave. Je t'entends dire « eux », donc je sais pas si tu veux parler ou si je continue. Non, je cherchais le Spock dans mes... Ah oui, mais je dois me connecter, et du coup vous allez voir... On va voir ton code. Non, bah... ça va, j'ai toujours peur de montrer une bêtise. Mais non, voilà le vrai Spock du certificat. Donc on retrouve exactement les mêmes catégories, un carnet de bord, le petit mot de bienvenue. Et puis alors, donc à chaque fois, il y avait des contenus pour préparer la séance, des informations sur la séance, et bien souvent des contenus pour aller plus loin, donc des vidéos supplémentaires à regarder, des textes à consulter, des références bibliographiques, etc. Donc voilà la version tout à fait sérieuse et la version parodique dont on voit qu'elle est vraiment particulièrement bien imitée. Ouais, c'est en fait, non, on va pas aller dans le détail, mais donc en fait, si tu veux, l'idée du Spock, c'est que en fait, c'est sur le principe un peu de la classe inversée en pédagogie, c'est-à-dire l'idée, c'est que les participants des cours synchrones qui devaient se faire en présentiel et qui se sont faits en synchrone en ligne devaient, mais ça c'était de toute façon Covid ou pas Covid, devaient avoir réalisé une série de tâches pédagogiques qui les préparaient. Les informer, qui les intriguait, qui les engageait dans le contenu avant d'arriver au cours pour favoriser les échanges, la compréhension, l'assimilation, etc. Donc effectivement, c'est évidemment pour nous très touchant de voir que les principes même de la formation, des codes un peu narratifs de la formation ont finalement été super bien assimilés, super bien intégrés. Et là, quand tu faisais référence au changement par rapport au Covid, bah ça a fait que les cours n'ont pas pu se donner en présentiel, les cours synchrones du mercredi après-midi, c'est plutôt à ce niveau-là que ça a changé. Moi, ce qui m'interpelle, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est le fait que les participants ici ont eu l'intelligence de faire un seul grand projet et je pense que l'idée de génie c'est de reprendre le Spock, le format du Spock, parce que dans le Spock original en fait il y a déjà des textes, des vidéos, des tests, etc. Ici on se retrouve à avoir en fait aussi une forme de multitude de choses comme ça. Ce qui a permis à tous les sous-groupes de s'exprimer à travers la réalisation de vidéos, de textes et de différents jeux vidéo. Donc c'est évidemment très impressionnant. Ça montre encore une fois qu'il y a eu un esprit collectif qui a joué.
et qui a permis de faire du lien dans tout ça. Bah écoute, merci beaucoup Pierre-Yves. C'est une question pas facile, mais je savais que ça t'avait frappé, puisque on avait eu l'occasion d'en discuter un tout petit peu à plusieurs reprises. Donc, oui, mais sur le moment, si tu veux, on s'est dit what, voilà, the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que si tu veux, en plus, anecdote, pendant la Game Jam, on avait prévu des espèces de points étapes, tu vois, deux fois par jour, pour que on soit sûr que personne ne soit perdu. Éventuellement à essayer de voir comment est-ce qu'on peut donner un coup de main, etc. Et en fait, à chaque fois, non seulement tout le monde nous disait bah, en fait non, on a pas besoin de un, on n'a pas besoin d'aide, et de deux, on te montrera pas ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu veux, les points d'étape étaient très rapides et très, très efficaces, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, j'étais là, bon, bah, d'accord, très bien, je retourne à mon week-end. Ah, mais si tu veux, on peut passer au fameux retour oui. formatif qui ont été réclamés et écrits. Ce que j'ai déjà dit, c'est que sur le vraiment pour moi le coup de génie sur la forme, c'est ce côté interdisciplinaire qui est mis en transmédiatique qui est articulé grâce à la structure du SPOC, que se sont appropriés les participants et les participantes. Mais il y a des choses à dire pour aller plus loin, je pense. Pour redonner un élément de contexte aussi, éventuellement s'il y a des personnes qui nous ont rejoint en cours de route, l'idée c'est que les participants ont créé un SPOC qui se présente comme une formation pour un avatar. Et donc, on est un avatar, on incarne un avatar, avec tout ce que ça a de décalage de dire même cette expression. Normalement, on ne peut pas incarner un avatar. C'est une entité qui par définition, est entre deux mondes. Et je crois que c'est un texte de Delbouille et Barnabé qui dit, si je ne m'abuse, que l'avatar est un embrayeur de réflexivité, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans un texte à vous deux, un embrayeur de réflexivité, et finalement je crois qu'on le voit ici aussi, c'est-à-dire que l'idée c'est à chaque fois, que ce soit sous une forme écrite, vidéo, jeu vidéo, etc., c'est de montrer de manière différente, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est pas le même clou qui est tapé dans tous les contenus, c'est différents points de vue individuels et de groupes qui sont travaillent tous différemment et depuis un autre angle une même question qui est à la fois ce côté qu'est-ce que c'est un avatar, qu'est-ce que ça veut dire être un avatar, qu'est-ce que ça voudrait dire être un avatar, et donc au-delà de ça, quelle est la relation finalement entre le jeu et le joueur, ce qui est quelque chose qui est au centre des préoccupations du Liège Game Lab. Donc évidemment, on est en pamoison devant un projet pareil. Il y a un deuxième embrayeur de réflexivité très important dans le projet, c'est le côté parodique. Ça, je pense que Fanny en parlera. En fait, je parle vite comme ça, je prends tous les arguments de Fanny comme ça. Comme ça, je suis sûr que j'ai des trucs à dire, si tu veux, tu vois. C'est vrai que embrayeur de réflexivité, la parole, et je détournement. Je j'allais le dire, me coupe pas la parole. J'allais le dire, et le fait que ce soit un détournement. Mais ce qui m'intéresse aussi là, c'est qu'à nouveau, c'est des processus qui ont été étudiés, et que nous, en tant que formateurs, on a plus tendance à étudier que à pratiquer. Donc là, ce qui est intéressant pour nous, on se retrouve face à une pratique élément qu'on a enseigné, mais une pratique qui transpire l'analyse et la réflexivité. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Avec, sur le fond, si tu veux, tu croises des notions qui sont parfois même explicitées dans l'ensemble du projet. Les rapports possibles entre jeu et joueur, sur l'avatar, je l'ai dit, mais aussi sur le capital culturel. Il y a toujours une dimension historique dans ce projet, mais aussi dans les autres. Il y a toujours une espèce de volonté de retranscrire une profondeur historique. On l'a vu notamment avec ce que disait Ekin sur les différents jeux de plateforme.
Et donc, en fait, il y a ce côté transmédia dont on a parlé. Finalement, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on a une espèce de réel, si tu veux, c'est une fausse formation. C'est une formation parodique, détournée, ce que tu veux, etc. Finalement, c'est peut-être aussi, en fin de compte, une vraie formation. C'est-à-dire que en vrai, c'est possiblement un support. Si on écrémait éventuellement quelques private jokes qui seraient difficilement compréhensibles, en dehors de ça, et puis c'est les participants font bien ce qu'ils veulent, hein, on a tous le droit de s'amuser. Et une game jam, je sais bien que pour le coup, on a besoin aussi de rigoler et voilà. L'humour est souvent présent dans les game jam. Hein. C'est quelque chose que c'est ça va avec le crunch, en fait, si tu veux. C'est ça. S'il n'y a plus d'humour, il n'y a plus de néolibéralisme. Je voulais dire de crunch. en réalité, là où j'en arrivais, c'était de dire qu'en réalité, c'est probablement, finalement, une vraie formation. Dans le sens où, si tu prends vraiment tous les contenus et que tu t'y intéresses ou que tu les analyses ou que tu les prends en tant qu'apprenant potentiel, une forme d'avancée itérative dans la réflexivité. C'est-à-dire que tu as plein de points de vue qui se comparent. Et donc, en fait, la forme même du faux spoc invite à comparer le propos d'une vidéo où quelqu'un incarne un Sims, d'un jeu vidéo dans lequel on incarne un avatar qui essaye de faire autre chose que ce qu'on lui demande, d'un jeu RPG Maker qui va faire autre chose, et ainsi de suite. Et donc, je vois, en fait, il y a une vraie richesse qui vient à la fois de chaque contenu qui est proposé, mais aussi du décalage, des décalages qui sont introduits dans les différents contenus. J'ai une question pour rebondir là-dessus, puisque il me semble que, Fanny, tu as travaillé sur le détournement, ça c'est pas il me semble, parce que je le sais, mais est-ce que la compréhension des contenus a une incidence justement sur leur détournement? C'est-à-dire, est-ce que elle facilite par exemple le détournement? Et ici, par exemple, ça pourrait être le cas, c'est-à-dire que la compréhension et l'acquisition de connaissances permettraient le détournement, ou en tout cas la parodie de certains éléments. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé, toi? Complètement, c'est un petit peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, en disant que pour faire de la parodie, il faut maîtriser forcément les codes qu'on s'approprie. Et je voulais dire autre chose à ce sujet-là, qui est que dans ma thèse notamment, j'envisage le détournement comme une forme de jeu parmi d'autres, comme un prolongement de l'expérience de jeu finalement. Et je trouve que c'est un petit peu ce qui s'est passé ici, et qui ajoute une couche au caractère réflexif de ce que vous avez produit, qui est que vous vous êtes joué du certificat aussi. Et donc, il y avait une dimension pédagogique, comme l'a dit Pierre-Yves, il y avait une dimension vraiment de réflexion théorique, mais il y avait aussi, à travers la parodie, une dimension de pratique de jeu. Vous avez continué à jouer en créant ce dispositif, mais d'une façon réflexive, ce qui traduit bien une des compétences que vous avez développées, je pense, à travers au fil du certificat, qui est de produire un discours réflexif sur vos propres pratiques de joueur ou votre propre rapport au jeu vidéo. Ce qui était un des objectifs du carnet de bord, hein, de vous forcer à essayer d'exprimer ça, et il me semble que ça a relativement marché. Ce que je voulais dire aussi, c'est revenir sur quelque chose que Pierre avait dit à la clôture de la Game Jam, qui est que ce qui est super impressionnant aussi, c'est que vous ne parodiez pas seulement les contenus du cours, mais que vous avez aussi vraiment compris ce qu'était un cours en ligne. Vous reprenez les codes du SPOC et plus largement des MOOC, des formations en ligne, pour produire un dispositif qui est hyper complet. On a vu qu'il y avait des vidéos de cours un peu ex-cathédra, théoriques. Il y a une table ronde, il y a des jeux, donc des activités pratiques, il y a un quiz, il y a un article journalistique qui copie parfaitement tous les codes de l'article journalistique. On ne l'a pas dit, mais vous avez réintégré le développement autarcique intrapersonnel de Nathaniel Esquire. Donc vous avez réintégré un des autres projets comme si c'était une des parties de la formation. Donc,
Donc voilà, ça, je trouve que c'est à ajouter dans le niveau méta. Merci beaucoup Fanny pour ton intervention. Est-ce que tu veux... Termine, je t'en prie. Pardon, j'ai encore deux, trois petits trucs à dire. À savoir que... ce que je trouve aussi, en fait c'est un peu un prolongement de ce que je viens de dire, mais ce que je trouve aussi vraiment notable dans, dans toutes les parties de ce Spock, c'est qu'on sent vraiment qu'au-delà des blagues et de l'humour et du fait qu'il y a certaines choses qui étaient improvisées, vous avez vraiment planché sur le fait d'articuler la forme et le fond un petit peu à tous les niveaux. Ça se voit dans les vidéos, comme je viens de le dire, ça se voit très fort dans les jeux aussi, où on voit que chaque décision de gameplay, chaque décision de level design, l'écriture des textes, le paramétrage des combats dans le RPG par exemple, ou la construction de l'architecture du château comme Jordan nous l'avait expliqué, tout ça a été vraiment réfléchi pour porter un sens au sein de la formation, et ça je trouve ça vraiment génial que vous ayez eu le temps de faire ça dans une game jam, tout simplement. Donc, voilà, ça ajoute encore au caractère réflexif. Et, oui, et alors, ce que Pierre-Yves a déjà un peu dit aussi, mais c'est que vous avez vraiment pris au sérieux le thème du rapport joueur-avatar en l'explorant à travers plusieurs genres vidéoludiques aussi, puisque effectivement, vous parlez de la simulation avec les Sims, du RPG, du jeu d'horreur, du jeu de plateforme, de la masculinité. Et à chaque fois, à chaque genre vidéoludique ou à chaque type de format qui est exploré, vous déconstruisez certaines préconceptions de ce qu'est un avatar, de ce qu'est le rapport joueur-avatar, de nouveau en mettant en scène des disputes. Dans le RPG, par exemple, ça passe par le fait que le héros est totalement basique et finalement n'a rien d'héroïque. C'est un personnage plat, il ne sait pas se battre. À la fin, c'est la princesse qui doit venir se battre à sa place, etc. Dans le platformer, ben, vous rejouez aussi encore un peu sur la notion de contrôle et de perte de contrôle, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en fait, ce qui est impressionnant dans ce projet, c'est le caractère vraiment complet et réfléchi de chaque partie, pour le dire un petit peu de manière synthétique. Et là, j'ai vraiment fini. Merci beaucoup, Fanny et Pierre-Yves, pour ces deux avis qui sont longs, mais qui, je pense, sont importants aussi pour les participants. Écoute, jusqu'au bout. Qui sont importants pour les participants et les participantes d'avoir vos retours, évidemment, et puis des retours aussi qui sont mûris par plusieurs jours, plusieurs semaines, aussi après la découverte de ces premiers, puisque vous les avez découverts avant, évidemment, ce stream, et donc vous avez eu le temps d'en discuter entre vous, puisque, évidemment, il y a eu des débriefs internes au certificat, donc vous avez eu l'occasion de discuter, d'échanger, on a eu l'occasion d'échanger ensemble, notamment, et puis je pense que ça leur fait plaisir aussi aux participants d'avoir vos retours avec un petit peu de distance, puisque ces retours sont élogieux, et puis à la fois ils sont très réflexifs, ils mettent en évidence plein de choses, et bon, on va pas se cacher, on est sur la fin de ce stream, on s'est bien amusé, il y a encore plein de choses à découvrir sur ce dernier projet, comme il y a plein de choses à découvrir dans les deux premiers, mais comme ce dernier est en ligne pour les viewers, ils peuvent évidemment le redécouvrir sur le lien qu'on va encore peut-être republier une dernière fois. Et j'avais envie de demander à Pierre-Yves Oulmont, à Piou, qui est aussi de l'équipe des différents formateurs et formatrices, ce qu'il en pense, puisque bah voilà, on a eu l'occasion d'en discuter, et tu avais aussi un avis qui rejoignait celui de l'attitude ludique qu'on a retrouvé chez nos participants, bien sûr. Oui, clairement. Comme Fanny et Pierre-Yves l'ont dit, on voit qu'ils ont joué avec le format, avec les codes et avec les contenus. Et je trouve qu'on a beaucoup parlé d'attitude réflexive, et je trouve qu'au-delà d'une attitude réflexive, il y a aussi une attitude très... presque pédagogique, je vais dire, dans le sens où non seulement ils sont capables d'avoir une attitude réflexive par rapport à leur propre pratique, mais surtout ils sont capables de transmettre en fait cette attitude réflexive dans le sens où par le format qu'ils ont choisi, les codes qu'ils ont articulés, etc., ils ont communiqué en fait ces codes et cette compréhension, et on voit véritablement une
une capacité à transmettre cette attitude réflexive à d'autres personnes, et c'est un peu ce qu'on, c'est tout à fait ce qu'on visait dans le cadre de ce certificat, c'est non seulement d'amener des personnes à avoir une posture réflexive par rapport à leur pratique et aux pratiques du jeu vidéo en général, mais aussi de personnes qui pourront retransmettre cette attitude réflexive et de retransmettre ce jeu des codes, etc. Et on voit que ils ont été de formidables communicants en fait, et que à l'avenir ils seront de formidables communicants dans le domaine de la culture vidéoludique. Et je pense que c'est important. Ça me fait un peu penser à certains formats qu'on voit encore sur YouTube, par exemple le format Papy Grenier. Ouais. Je veux dire, c'est clairement ça en fait. Hein. C'est le Papy Grenier, c'est un petit vieux qui parle de lui comme si c'était un avatar de jeu vidéo. Il joue avec les codes, il fait rire les gens, mais il transmet aussi toute une compréhension du média. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait dans ce projet-ci et dans leur projet en général. Et je trouve ça incroyable aussi de faire ça aussi rapidement. J'avais fait une réflexion et j'avais posé une question, je pense, une fois. Elle résume un peu ce que je pense d'eux, c'est est-ce que c'est le certificat qui les a rendus géniaux ou est-ce qu'ils étaient déjà hyper doués de base? C'était ce que j'avais demandé, et non, vraiment, c'est vraiment formidable communicant, pédagogue et attitude réflexive, et c'est génial. Merci Pierre-Yves Houlmont, c'est super ton avis. Pierre-Yves Hurel, tu voulais réagir à ce que Piou disait? Ouais, je voulais le remercier sur le fait de m'avoir aidé à... Parce que depuis tout à l'heure, effectivement, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur quelque chose que je pensais, etc. Mais, et où je me disais, mais finalement, on retrouve... alors, les blagues en moins et le côté collectif en moins, mais on retrouve... en tout cas, moi, j'ai le sentiment de retrouver beaucoup de choses de ce projet collectif dans les projets individuels, et en tout cas ceux dont j'ai pu voir la présentation. Et finalement, je crois que Pierre-Yves vient de mettre le doigt dessus, c'est le fait d'être pas uniquement d'être en capacité d'être réflexif soi-même, mais d'être en fait des passeurs de réflexivité et d'aller produire des... C'est aussi ça que je voulais dire dans le fait que ça me donnait des idées d'ateliers quand je voyais le projet de la Game Jam. C'est que finalement, on voit que chaque élément pris individuellement pourrait être un support pédagogique, d'animation, etc. Et que c'est pas pour rien, en fait. C'est aussi parce que les personnes inscrites au certificat soit travaillent déjà dans ce domaine, soit sont déjà, soit s'y destinent. Et donc, pour nous amener progressivement vers la fin, je serais très curieux de voir l'évolution des projets individuels qui vont être mis en place par les participants, et j'espère qu'on aura l'occasion, que ce soit en stream ou à d'autres occasions, de pouvoir aussi s'en faire le relais via le Liège Game Lab. Merci Pierre-Yves, et je propose qu'on clôture tout doucement ce stream, et j'aimerais donner la parole en tout dernier à ces fameux ces fameux passeurs de réflexivité vidéoludique, ceux qui sont avec nous en tout cas. Évidemment, on embrasse ceux qui sont dans le chat du stream, qui n'ont pas pu être là, mais on sait que vous êtes là, on vous salue et on pense à vous. Et pour ceux qui sont avec nous, est-ce que vous voulez dire un dernier mot, un salut, que ça peut être entre nous, ça peut être aussi à destination de l'équipe pédagogique, même si vous leur avez déjà dit plein de choses, évidemment. Mais c'est peut-être une bonne occasion de terminer ce stream que de clôturer cette session, cette QV 2021 qui est un bon cru, mes aïeux. Donc, je vous laisse la parole à celui qui veut s'exprimer. Moi, je veux bien faire un bon big up pour Ada, qui a quand même fait une vidéo assez exceptionnelle sur la préparation des avatars pour les jeux d'horreur, et aussi sur son article que je vous invite à aller lire, qui est quand même assez incroyable. Voilà, j'ai dit incroyable au moins 5 fois dans 2 phrases. C'est l'effet stream, tracasse pas. Au début, moi aussi, je m'inquiétais, et puis je m'y suis habituée. Aussi sur le carnet de bord, forcément, il apparaît en premier, mais après avoir visionné les vidéos, si on va lire le carnet de bord, on comprend tout le sens
que Molly a voulu apporter dans son intervention. Et voilà, félicitations à tous, même ceux qui n'étaient pas dans mon groupe, hein, je ne veux pas faire de jaloux. Et voilà, j'ai la petite larme à l'œil parce que c'est notre dernier cours et cœur sur vous. Est-ce que l'un d'entre vous veut également s'exprimer pour terminer ce stream? Moi, je veux bien dire encore un petit mot. Un élément qu'on n'a peut-être pas brossé dans le certificat et que je trouve qui est particulièrement enrichissant, en fait, ce sont tous les échanges que l'on a pu avoir entre participants pour présenter notre projet et découvrir un peu les projets de chacun. Et je trouve que ça, c'était vraiment, vraiment un plus pour se rendre compte des idées des autres et la manière dont ils intégraient ce qu'on avait appris dans des directions évidemment différentes des nôtres. Personnellement, je trouve que ça m'aura appris autant que tout ce que j'aurais appris au niveau contenu du certificat. Super, merci beaucoup Pierre. Finalement, dernière question, Pierre-Yves, Fanny, Pierre-Yves, est-ce que l'objectif qu'on s'était fixé avec ce certificat, est-ce qu'il est rempli? Est-ce que l'objectif qu'on s'était fixé au début, est-ce qu'il est rempli finalement? Non, je rigole. Oui, oui, tout à fait. Je pense pouvoir dire au nom de toute l'équipe pédagogique qu'on est plus que satisfait. Évidemment, on espère que la deuxième année pourra se donner en présentiel et aussi on remercie une nouvelle fois l'ensemble des participants cette année parce qu'ils savaient que c'était la première promotion et que donc du coup on était particulièrement à l'affût de leur feedback pour améliorer la formation l'année prochaine et donc oui complètement mais je pense aussi que comme certains l'ont déjà dit c'est on sent bien ici qu'en tout cas pour cette promotion c'est à la fois une fin mais je crois que c'est plus une étape qu'autre chose et que je remercie Pierre d'avoir souligné l'intérêt de ce qu'on appelait les séminaires projets, hein, dans lesquels tout le monde présentait un peu ces différentes choses, et que finalement, en fait, j'invite les participants à les continuer, y compris sans nous. Ils sont formés, ils forment une communauté professionnelle de pratique et vraisemblablement d'amitié. Donc, profitez-en, vous représentez une source... et une ressource inestimable en tant que collectif. Donc, mettez-la à profit pour vos propres expériences, continuez d'entretenir le lien et d'y mélanger habilement les blagues, les apprentissages et les petits tips sur vos projets individuels, puisque je crois que finalement, là, vous avez une occasion d'avancer collectivement dans vos chemins individuels. Et je pense qu'on peut dire qu'on restera aussi toujours dans vos contacts. Si jamais vous voulez envoyer un petit mail ou nous demander notre avis pour 2-3 trucs, on sera toujours là, évidemment. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci à tous. Je pense qu'on peut clôturer ce stream là-dessus. Et bien voilà, c'est un clap de fin pour l'édition 2020-2021 du certificat Inter-Université Haute École Travailler avec la culture ludique. Il y aura une deuxième édition l'année prochaine avec d'autres organisations, d'autres choses, etc. En tout cas, je remercie le chat, bien évidemment, d'avoir été présent. Les participants, participantes qui ne pouvaient pas venir sur le Discord pour plein de raisons, merci d'être passés. Merci d'être venus. Merci à tous les autres, hein, ceux qui ont découvert le projet via les réseaux sociaux, qui avaient entendu parler du certificat et qui voulaient voir à quoi ça ressemble. Merci aux habitués, évidemment, du Liège Game Lab. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient présents avec moi aujourd'hui, présents et présentes, bien sûr, participants et équipe pédagogique. Et eh bien, passez une bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve sur la page YouTube du Liège Game Lab, sur la page Twitter, sur la page Facebook. Et à très bientôt pour un stream très spécial. Merci. Au revoir, merci tout le monde.